Bonsoir. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous proposer un débat donc, du cycle Lire le Monde pour la première fois en collaboration avec Rue 89 sur le thème du complotisme. Et je laisse tout de suite la parole à Xavier Delaporte qui va vous présenter les intervenants. Merci, bonne soirée. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour cette discussion. Quand on a commencé à discuter des thèmes qu'on pourrait aborder pendant ce cycle de conférences avec Bernadette, la question du complot, des complotismes et de leurs imaginaires, c'est immédiatement imposé. La raison était au départ très égoïstement journalistique. Parce que nous, en tant que journalistes, ça nous interroge beaucoup, cette question du complot. D'abord parce que les conspirationnistes sont les premiers à remettre en question notre travail. Parce qu'on sent bien aussi que dans certaines catégories de la population, on devient difficilement audible. Et en partie, c'est de plus en plus difficile pour nous de contrer, contrer ces théories. Et en même temps, parce que paradoxalement, on se sent bien aussi une forme de communauté d'esprit avec le raisonnement des complotistes. Puisque si le travail du journaliste ne consiste pas à remettre en question les faits et leur évidence, il n'a pas grand intérêt. Évidemment, l'actualité des derniers mois a renforcé cette envie, puisque des événements comme ceux qu'on a vécu au début et à la fin de 2015 sont évidemment propices à l'épanouissement de ces théories, à leur ressurgissement dans la conversation, et notamment la conversation telle qu'elle a lieu dans les réseaux. Tout ça nous intéresse à tel point qu'il y a quelques jours, on a une sorte de petit cycle où on fait participer des jeunes, soit lycéens, soit vraiment tout début d'étudiants, à venir pendant une dizaine de jours à la rédaction, participer à la vie de la rédaction, et on leur avait demandé de travailler sur le dernier cycle, sur le complot, et ce qui les a énormément inspirés et qui a donné lieu à une série de papiers, et avec des choses dont on s'est rendu compte qui étaient intéressantes et parfois drôles. Et je pense notamment à un cas d'un étudiant, je ne sais plus si c'était lui en lycée, hein, vraiment, qui est venu en disant, voilà, moi j'ai un petit frère en troisième, il est hyper complotiste, il passe son temps à regarder des vidéos super complotistes, etc. Et alors on lui dit, ce qui serait intéressant, c'est que tu les regardes avec lui et puis que tu fasses le récit de ça, etc. Et donc il a commencé à faire ce récit de son petit frère, pensant que donc Zlatan Ibrahimovic était un croisé, parce que quand on regardait les clubs où il était arrivé, les clubs dans lesquels il avait joué, ça dessinait une croix, que Zlatan c'était comme Nazareth, etc. Et puis en fait, on a regardé les vidéos sur lesquelles il se fondait pour élaborer ses théories. En fait, c'était des petites séries de vidéos rigolotes de Canal+. Qui se moquait des théories du complot. Ouais, c'était drôle. Donc c'était un jeune qui pensait être complotiste en regardant des vidéos de fausses conspirations et regardé par son frère qui pensait que son petit frère était complotiste, parce qu'il y a une sorte de cercle comme ça complètement fou. C'est un des exemples, mais on s'est aperçu qu'effectivement c'était quelque chose qui était très très fort, très très prégnant dans tout ça. Donc nous allons discuter pendant. Alors on ne sait pas encore combien de temps, mais en gros, il y aura deux temps. Un premier avec les deux intervenants qui sont là, que je vais vous présenter tout de suite, et puis une deuxième partie de la discussion où on ouvrira les questions à vous pour que vous puissiez évidemment soit réagir, soit poser des questions, etc. Enfin voilà, comme on fait normalement dans ce type de soirée. Alors les deux intervenants, à l'extrême droite, Julien Giry, qui est docteur en sciences politiques. Toi, tu es au centre, c'est pas forcément mieux. Docteur en sciences politiques et auteur d'une thèse sur le conspirationnisme dans la culture populaire américaine, et puis d'articles sur ces questions de complotisme, de leur place dans l'imaginaire et dans l'imaginaire américain notamment. Et donc au centre, Pierre Lagrange, qui est professeur d'anthropologie à l'École supérieure d'art d'Avignon, chercheur associé à l'EHESS aussi, et qui est auteur de plusieurs ouvrages, en particulier sur Roswell, sur les extraterrestres, sur les ovnis, mais aussi sur les ufologues. Voilà, donc on va discuter, en gros, ce qui nous intéresse, c'est si on arrive à parcourir quatre grands axes qui seraient la question d'une sorte de constructivisme du complot, quoi. Qu'est-ce qui fait un complot, si on arrive aussi à ce qui serait bien à faire une sorte de petite histoire
du complot, des complotismes, de cet imaginaire-là en tout cas. Ce qui serait bien aussi, c'est de pouvoir en faire une petite sociologie, voire une géographie si on a le temps, et puis de parler de ces usages. Mais j'aimerais juste commencer par une question qui est donc liminaire, puisqu'on commence comme ça. Il y a sans doute des points qui vous opposent tous les deux dans la manière de concevoir et d'analyser le conspirationnisme, les théories du complot, leurs acteurs. Mais il me semble que vous avez un point commun qui est de ne pas rejeter tout ça dans une sorte de folie inopérante, ne pas avoir de mépris pour ce type de raisonnement et même de contenu de ce raisonnement. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à y trouver ? Julien Giry, ouais. Ça marche ? Ouais. Bonjour d'abord, merci d'être là. Et effectivement, moi, c'est la première chose qui m'a interloqué. J'ai vu que ça a été aussi relevé sur le Facebook, dont tout le monde a pu voir qu'il était extrêmement prolixe et loquace. La plaquette disait ceci, ces discours, donc les discours complotistes, ne disent-ils pas quelque chose des représentations du monde de nos citoyens, souvent les plus marginalisés ? Moi, j'ai justement envie de commencer par discuter cette question de savoir si on a vraiment affaire à des citoyens marginalisés ou pas. Alors très souvent, c'est l'objet de la petite vidéo là que je vais vous montrer, si on peut l'envoyer. Merci. On va la regarder et puis on va la commenter ensuite. Les médias, souvent, recherches les ont amenés à des découvertes très surprenantes sur 2012, en particulier un complot extraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Reptilien ? Des reptiliens, genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris, il y en a plein d'autres, il y en a plein. Selon vous, quelles sont les autres personnes connues, célèbres, qui sont des extraterrestres ? Le prince de Galles, le fameux prince Charles. C'est un extraterrestre ? Un hybride. C'est-à-dire ? C'est un hybride de première génération entre reptilien, le fameux... comment il s'appelle ? C'est un croisement d'extraterrestres, le prince Charles. Et d'humains. C'est ce qui donne le premier croisement entre un humain et un extraterrestre. Ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Mais pour garder sa forme humaine, il est obligé, toutes les pleines lunes, de bouffer de la Vierge, des enfants. C'est ce qui explique le nombre de disparitions inexpliquées d'enfants aux États-Unis, en Angleterre et tous ces pays qui ont donné leur autorisation pour faire ce genre de truc, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Nous sommes des poulets d'extraterrestres, comprenez ça, bon sang, des vaches. Ok, donc voilà, vous avez bien compris, hein, ce type-là, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études de psychiatrie ou de médecine pour se rendre compte qu'il a manifestement un problème. Justement, et ceux-là ne sont pas intéressants pour nous du point de vue des sciences sociales. Ce n'est pas du tout de ça dont on va parler. Je pense que Pierre sera d'accord avec moi. On va essayer bien plutôt de parler des individus qui considèrent le conspirationnisme non pas de manière complètement fanatique, illuminée, paranoïaque, mais bien plutôt comme un phénomène social et politique mû par des acteurs eux-mêmes politisés. Contrairement à ce qu'on voit là, pour essayer de décrédibiliser le truc de manière rédhibitoire, la plupart des dits conspirationnistes, on va dire ça comme ça pour le moment, sont des individus qui s'intéressent aux politiques, qui sont en appétence de politique, qui disposent d'un certain capital culturel, d'une certaine compréhension des clés des enjeux politiques. Ils se rendent compte des phénomènes sociaux et politiques de masse, du type cette extraordinaire coupure qu'il existe aujourd'hui entre les représentés et les représentants, les dysfonctionnements de la démocratie représentative, etc. On n'a pas affaire, encore une fois, à simplement des allumés. De ce point de vue-là, le phénomène doit donc être conspirationniste, doit être compris, comme je le disais, un phénomène politique, mouvant des représentations politiques du monde, et qui n'est pas le fait d'individus complètement marginalisés, mais bien plutôt, je le dis encore une fois, d'individus disposant un certain nombre de capitaux politiques en appétence pour le politique. Ce phénomène, il n'est pas non plus réductible à une catégorie d'âge, notamment les jeunes, comme on veut le dire de temps en temps de façon un petit peu rapide. Alors on pourrait expliquer pourquoi les jeunes, ou plus exactement les lycéens, on va dire les adolescents, ont une sorte de rapport particulier au conspirationnisme, on pourra développer ça peut-être plus tard. Mais moi, ce que je voudrais simplement ici dire, c'est que le conspirationnisme n'est pas simplement non plus le fait de ces catégories défavorisées, il est doublement transversal. Transversal à l'échelle sociale,
il y a des dominants et des dominés qui croient aux théories du complot. C'est pas parce que vous êtes avocat, je sais pas moi, homme politique, journaliste, ministre, médecin, que par une sorte de culture supérieure, vous seriez hermétique aux théories du complot. Ça, c'est pas vrai, les études sont toutes claires dans ce sens-là. Au contraire même, les individus les plus dominés, les plus marginalisés, ceux pour qui la politique n'a aucun sens, eh bien même cette position infra-politique que sont les théories du complot, quelque part, ça leur passe aussi au-dessus de la tête. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un ouvrage conspirationniste, que ce soit de Lyndon LaRouche, d'Alain Soral, etc., ça reste quand même des pavés assez complexes. Il faut quand même s'accrocher pour les lire. Il y a plein de notes, il y a plein de faits historiques, il y a plein de noms qui sont mobilisés. Ce n'est pas simplement un truc pour les farfelus. Eux, ça les repasse au-dessus de la tête. Et ceux qui sont complètement, comment dirais-je, dépolitisés ou apolitisés, eh bien, ceux-là, ça ne les intéresse pas. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le conspirationnisme est un phénomène aussi transversal au champ politique. Alors, bien sûr, certaines idéologies peuvent avoir des affinités électives plus importantes avec les théories du complot et le conspirationnisme, mais nul n'empêche, parce que vous pouvez être de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche, et adhérer aux théories du complot. Il n'y a pas d'exclusive. Et peut-être pour terminer alors ces propos liminaires et essayer de rentrer dans le dur directement, je pourrais proposer une définition du conspirationnisme comme une représentation politique historicisée, globale et hégémonique de la marche du monde. Tout ce qu'il se passe, que ce soit les événements extraordinaires, du type les attentats, les attaques terroristes, les catastrophes naturelles, tout autant que les phénomènes sociopolitiques de masse comme le chômage, la criminalité, la consommation de drogue, l'alcoolisme, l'illettrisme. Et qu'est-ce qui le différencie du marxisme dans ces cas-là ? Ah, je peux venir juste après. Ouais. C'est une très bonne question, j'y viendrai juste après. Si je peux venir valifier. Okay, ouais, merci, c'est pas de mal. Donc les événements extraordinaires, les phénomènes sociopolitiques de masse, mais tout aussi bien les actions les plus insignifiantes du quotidien, par exemple le conditionnement alimentaire, les résultats, vous savez, du tirage du foot, les résultats des Oscars, tout cela est dû à la volonté organisée d'une toute petite minorité omnisciente et omnipotente qui tire toutes les ficelles dans l'ombre. On pourrait le définir comme ça, le conspirationnisme. Alors peut-être que tu veux rajouter un mot avant que je passe Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? Alors, oui, mais j'irais même plus loin. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un premier problème qui est la définition des sciences sociales, je dirais. Parce qu'on est tous, si vous êtes aussi nombreux, quand on s'intéresse à ce sujet-là, c'est qu'on fait tout spontanément de la sociologie. Quand on parle de théorie du complot, ça veut dire qu'on va stigmatiser plus ou moins fortement d'autres personnes dont on pense qu'elles ont une vision marginale qui n'est pas normale de l'histoire ou du monde actuel. Et en fait, c'est un débat qui... Alors évidemment, la discussion sur les complots, c'est ancien, mais le débat qu'on a ce soir appartient à une vague qui est assez récente, qui date du début des années 2000, avec notamment à la suite des attentats du 11 septembre. Et c'est lié, en fait, le terme qui est apparu, cette expression « croyance aux théories du complot », a été forgé et utilisé depuis cette époque. Et en sciences sociales, on a été confronté depuis longtemps à tout un tas d'expressions. Avant ça, on parlait de montée de l'irrationnel, de croyances, de pseudosciences ou autres. Ce sont des termes qui, en fait, se rejoignent beaucoup. Ça recoupe assez les mêmes phénomènes. Et ça pose un problème parce qu'en sciences sociales, il y a un courant assez fort qui consiste depuis Foucault, Michel de Certeau, depuis les années 60, depuis les historiens, les anthropologues des années 60, à essayer de déconstruire ces catégories plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'est la culture populaire. On essaie de s'interroger sur comment est-ce qu'on a construit cette notion de culture populaire et l'opposition entre culture populaire et culture savante, par exemple. De la même façon, des historiens sont intéressés à, non pas pourquoi les gens sont superstitieux, pourquoi les gens au Moyen-Âge étaient superstitieux, mais comment, dans quelles circonstances a été construite le partage entre la culture, la religion officielle, entre guillemets, et les superstitions, les religions populaires. Et l'histoire des théories du complot, c'est un peu le même problème. Quand on construit des catégories, c'est-à-dire les gens qui croient au complot, on construit donc une espèce de catégorie dans laquelle on va rejeter pas mal de gens. Et je pense qu'une des tâches des sciences sociales, c'est d'essayer de comprendre, donc de déconstruire cette catégorie, d'essayer de comprendre d'où elle vient. Et c'est là où on est dans une situation un peu complexe, parce que là, ça entraîne tout un débat sur ce qu'on appelle en sciences sociales, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sur le relativisme et tout, qui consiste à essayer de analyser de la même façon les différents courants.
Évidemment, ça peut être pris, et le débat est né, il revient souvent, ça peut être compris comme une tentative pour effacer les distinctions et considérer que finalement, les gens qui construisent des théories, qu'on appelle des théories complot, c'est indiscernable de tout le reste. Dans une certaine mesure, c'est indiscernable. C'est-à-dire que je reprendrai un peu une espèce de devise de l'anthropologie de ce point de vue-là, nous sommes tous semblables, c'est-à-dire que les gens qui croient, ces gens qu'on désigne comme des croyants en théorie du complot ne sont pas différents de nous. La preuve, je veux dire, est-ce que nous, on ne croit pas à des théories du complot aussi ? On peut en discuter. Et par contre, c'est au niveau des contenus que c'est différent. C'est-à-dire qu'au niveau des structures des raisonnements, je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale. Mais c'est au niveau des contenus où, point par point, on peut discuter telle ou telle affaire. Donc, le problème de beaucoup de ces débats, tels qu'ils sont utilisés depuis pas mal d'années, c'est que c'est devenu, surtout, on le voit notamment dans les débats télé depuis le début des années 2000, c'est devenu un argument qui arrête la discussion. Quand on commence à dire à quelqu'un, là, mon cher, on est en pleine théorie du complot, en général, ça permet de marquer une pause. Oui, elle est brandie pour disqualifier, voilà, brandie pour disqualifier. Une théorie qui n'est pas forcément du complot. Mais je ne suis pas en train de dire par là que c'est juste une accusation. Et que ça n'a pas d'intérêt ou de signification. C'est là où c'est très compliqué. On est dans une position malaisée parce qu'on doit à la fois analyser un problème et comme le problème appartient à notre société, on doit aussi participer à la discussion de ce problème. Mais du coup, ça pose une question qui est toute bête. C'est à quoi on reconnaît une théorie d'une théorie du complot ? Une théorie du complot d'une théorie ? Est-ce qu'il y a des moyens, je ne sais pas, qui peuvent être des formes de récits, des personnages qui vont être insérés, des chevilles rhétoriques, des références qui font qu'on peut distinguer ? Si on prend les extrêmes, évidemment, si on prend des théories style reptilien ou autre, là, on voit tout de suite qu'il y a un truc qui déconne. Mais sur le plan des raisonnements, ce n'est pas fondamentalement différent. Tout un tas de... Je vais prendre un exemple. Ouais. Les débats sur toutes les polémiques autour de l'industrie du tabac. Moi, je suis le premier à considérer que Philip Morris et l'industrie du tabac ont monté ce qu'on peut appeler une conspiration contre la connaissance dans ce domaine. Pendant des décennies, ils ont menti sur les connaissances scientifiques qu'on avait sur ces sujets-là. Il y a un historien des sciences américain, Richard Proctor, qui a écrit un ouvrage énorme qui s'appelle Golden Holocaust, qui a été traduit en français, qui a utilisé toutes les archives qui ont été déclassifiées lors des procès de l'industrie du tabac aux États-Unis et qui montre comment l'industrie du tabac a caché sciemment tout un tas de faits parce qu'elle a ses cigarettes à vendre. Et quand on voit l'univers que cela représente, c'est difficile de pas appeler ça complot. Donc, comment est-ce qu'on se démerde entre ça et justement ce qu'on dénonce comme théorie du complot ? Je reprendrai un peu l'expression de Michel de Certeau sur la culture populaire. Ce qu'on désigne comme théorie du complot, c'est ce à quoi on ne croit pas. Le reste, c'est des vrais complots. C'est des choses parce qu'on sait que c'est vrai. Mais il y a une zone grise où il est très difficile de faire le distinguo entre le moment où ça dérape et le moment où c'est encore sérieux. Ouais. Julien, j'irai même... Oui, merci. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, on pourrait peut-être avoir cette formule paradoxale, hein, je l'emprunte à Goldschlager, qui dit « les complots existent, mais le complot avec un C majuscule n'existe pas ». C'est un peu, si on reprend la définition que je donnais tout à l'heure, évidemment, il existe des complots contre César, il existe à chaque coup d'État une conspiration organisée par des individus qui, de manière secrète, vont s'organiser pour prendre le pouvoir. Mais de dire que la marche du monde, depuis l'origine des temps jusqu'à nos jours, est le résultat de la volonté secrète omnipotente d'une toute petite minorité qui a tout planifié il y a plusieurs millénaires, là, on est quand même dans quelque chose d'une représentation du monde qui est totalement différente. Et justement, je reviens, ça me permet de faire le lien avec la question sur le marxisme. Parfois, on vous dit que toute expression critique, justement, comme tu disais un peu en mode de point Godwin, genre conspirationniste, taisez-vous, eh bien, on peut faire justement la distinction entre le marxisme et le conspirationnisme sur deux plans, je crois, d'abord. D'abord, sur le fait que le marxisme, lui, voit le capitalisme en tant que système de production, de répartition des richesses, système philosophique et économique. Le marxisme voit le capitalisme en lui-même comme étant une nuisance. Il est néfaste pour les individus. Le conspirationnisme ne dit pas ça. Bien sûr, il y a des marxistes ensuite qui peuvent vriller quelque part, mais l'idéologie marxiste n'est pas conspirationniste en elle-même. Pourquoi ? Parce que le conspirationnisme, lui, ne dit pas c'est le capitalisme international, le capitalisme financier qui est néfaste, c'est son détournement ou par une toute petite minorité cachée, d'accord, à son profit exclusif. D'un côté, la nuisance, c'est l'idéologie, le capitalisme lui-même. De l'autre côté, c'est pas le capitalisme, c'est son détournement, sa captation par une petite minorité. Deuxième point, le marxisme est une idéologie qui envisage des classes sociales
mus par des intérêts antagonistes, les fameuses classes en soi et classes pour soi de Marx. Donc vous êtes un prolétaire, vous êtes du côté des prolétaires, vous n'êtes pas du côté des patrons, du petit patron comme du grand capital. Le point de vue conspirationniste, lui, rejoint ici la rhétorique populiste. Alors attention, je fais un distinguo ici en disant que si le conspirationnisme recoupe nécessairement une dimension populiste, tous les populismes ne sont pas conspirationnistes. Il faut faire attention. Donc pourquoi ? Bien parce que les conspirationnistes n'envisagent pas les classes sociales au sens du marxisme. Ils voient simplement les élites corrompues et le peuple. Le peuple étant largement indéfini, puisqu'il considère aussi bien les travailleurs, les salariés, que les petits patrons, finalement, tous ceux qui n'appartiennent pas à l'oligarchie qu'ils vont pointer. Donc voilà, pour ces deux raisons, je crois qu'on est dans des choses différentes et qu'il ne faudrait pas réduire de manière un peu pratique et facile, justement pour fermer le débat, comme on le disait. D'accord, Pierre ? Et sur les méthodes ? Sur les méthodes, je me souviens, quand tu avais soutenu ta thèse, tu avais commencé par raconter ton premier congrès du ufologue auquel tu t'étais rendu. Et ce monsieur qui pensait que quand on plaçait les apparitions d'ovnis en France, ça dessinait la croix de Lorraine. Et ensuite, il était intervenu au congrès. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Il s'était fait virer par les autres ufologues qui avaient considéré que c'était un charlot. Et alors, pour continuer, en fait, merci pour cet exemple. En fait, dans le petit souci que j'ai, qui était un vrai problème de. Pour aborder ces sujets-là. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple que je connais très bien, c'est-à-dire cette affaire de Roswell, vous avez tous entendu parler, imagine, une soucoupe volante s'est écrasée, en fait, se serait écrasée en 1947 dans le désert du Nouveau-Mexique, aurait été récupérée par l'armée, avec les cadavres des extraterrestres, ça, ils auraient fait du rétro-engineering, et on aurait nos ordinateurs, nos tablettes, tout ça viendrait de là. Bon, il y a tout un discours, tout un tas de livres, toute une littérature qui a été publiée là-dessus. Et il y a surtout, alors, moi, il se trouve que j'ai commencé à travailler sur ces ufologues, ces gens qui s'intéressent aux ovnis et dont certains s'intéressent à l'affaire de Roswell et enquêter sur cette affaire, bien avant qu'il y ait ce débat actuel sur la croyance aux théories du complot dans les années 80, quand personne, aucun sociologue ne s'intéressait à ces sujets-là. Et je suis en France, en Europe, de façon générale, je connais la plupart des gens qui se disent ufologues, et aux États-Unis, j'en ai rencontré énormément également. Et le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart de ces gens, y compris ceux qui pensent que l'événement, l'affaire de Roswell, que l'événement a eu lieu, c'est-à-dire qu'une soucoupe volante d'origine extraterrestre est tombée dans les airs du Nouveau-Mexique, leur gros problème, c'est de se démarquer de tout un tas de choses qu'on voit sur Internet et qu'on considère comme étant le discours officiel, entre guillemets, sur Roswell, c'est-à-dire tous les trucs qui débouchent sur les reptiliens, les bases secrètes souterraines et tout ce qui s'ensuit. La plupart des enquêteurs sur les ovnis ne veulent pas entendre parler de ce genre de trucs qu'ils considèrent comme de la bêtise pure et simple. Donc, et là, j'ai un souci parce que c'est vrai que depuis quelques années, ce sujet est très à la mode et ça a entraîné une vague de publications, notamment dans les revues de sociologie, par exemple. Et j'ai pu constater que beaucoup de ces articles s'appuient sur ce qu'on voit sur Internet. Le problème, c'est que entre ce qu'il y a sur Internet, qu'on ne peut pas négliger, et ce que l'on voit dans les réseaux d'ufologues à l'ancienne, je dirais, qui existaient avant Internet, on voit des choses très différentes. Et on voit des gens beaucoup plus nuancés qui, tout en croyant, entre guillemets, à la soucoupe de Roswell, vont remettre en question tout un tas d'autres théories, s'opposer à tout un tas de groupuscules d'extrême droite aux États-Unis qui utilisent cette affaire, etc. etc. Donc, il y a un champ beaucoup plus nuancé et complexe que ce qu'on croit souvent. Et qu'il y ait des ufologues sérieux, en quoi ça remet en cause ? Mais sérieux, moi je peux les considérer comme des charlots sur le plan de certaines de leurs idées. Mais je veux dire, le fait que je ne sois pas d'accord avec l'histoire de Roswell, par exemple, ne m'autorise pas à poser un espèce de diagnostic sociologique pour dire ils sont spéciaux. Non, ils sont normaux. Ouais, okay. Ils sont aussi normaux que nous tous. Julien. Ça dépend lesquels. Évidemment. Mais évidemment, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'on est en présence d'un champ, et ça c'est très important. Un champ qui produit ses effets de champ, c'est-à-dire une concurrence entre les acteurs. Vous avez très bêtement, vous avez un champ, hein, ça se représente comme une sorte de plan avec en haut les dominants, les dominés, les capital économique, capital culturel, bref, hein, tout ce que la sociologie connaît de façon classique. Et bien dans ce champ, vous avez des acteurs qui sont des dominants de ce champ. Et ils font tout pour garder leur position de domination. Et en dessous, vous avez des dominés
qui essayent de grimper dans le champ. Alors comment ils font pour grimper? Et comment ça se manifeste à part des types d'exemples sur, par exemple, je ne sais pas, sur une théorie en particulier ça... Non, mais je peux donner un exemple tout de suite. Vous voyez, par exemple, si on prend le champ conspirationniste français, on a à peu près deux dominants, on les connaît, ils s'appellent Alain Soral et Dieudonné. Et Alain Soral et Dieudonné font tout pour, j'allais dire, tailler des croupières à leurs concurrents sur ce champ, sur qui ce marché. Qui sont qui, par exemple? Et je vais le dire, ça peut être leurs anciens amis, comme Farida Belghoul, comme Ahmed Mualek, comme Saïm Laïbi, comme Renaud Camus. Ils ont finalement des différences qui sont extrêmement minimes si on regarde ça de l'extérieur, mais que eux accentuent et mettent en avant de façon extrêmement stratégique pour pouvoir disqualifier leurs adversaires en disant « Voyez, nous, on est des gens sérieux. Les autres, soit c'est des farfelus, soit ils font n'importe quoi, soit ils n'ont aucune légitimité parce que ceci, parce que cela. » Ça leur permet de maintenir cette position de dominant. Donc ça, ça joue aussi. Et notamment, pour garder ces positions de dominant, et d'autres vont être obligés, pour renverser, si vous voulez, les structures du champ conspirationniste, de se lancer dans une fuite en avant, vers des révélations toujours plus extraordinaires. Et c'est ce qu'on voit sur l'assassinat de Kennedy. Au début, ça restait à peu près, il y a 7, 8 bouquins, 65, 66, qui ont été pondus, et qui expliquaient, grosso modo, chacun avec sa petite théorie. Mais à chaque fois, à chaque nouvelle génération, à chaque fois que quelqu'un arrive sur le champ conspirationniste, il est obligé d'aller toujours plus loin, une révélation encore plus sensationnelle, encore plus incroyable, pour non seulement gagner des parts dans le champ conspirationniste, mais aussi, il ne faut pas être complètement dupe, pour éventuellement, pour certains, gagner des parts dans le champ politique, donc éventuellement des postes, des rémunérations, une légitimité, mais aussi et peut-être surtout des parts de marché dans le champ économique, car ne l'oublions pas, le merchandising du conspirationnisme est un business extrêmement lucratif. Un exemple ça, ça rentre en considération. Ben regardez, par exemple, toutes les boutiques. Vous avez des individus qui vous disent, Soral Dieudonné, Alex Jones aux États-Unis, d'autres, nous sommes hors système. Être hors système, entendu que le système dominant aujourd'hui est le système capitaliste, pour être hors système, il faut être anticapitaliste. Alors que eux, au contraire, ce sont des hyper-capitalistes, ils font de l'argent avec tout ce qu'ils peuvent faire. Toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, il y a un nouveau goodies qui va sortir, il va y avoir 50 t-shirts qui vont être produits, il va y avoir des DVD, il va y avoir des livres, des DVD plus ou moins réussis, des vidéos payantes, etc. Donc il y a tout un merchandising. On a des professionnels du complot, des professionnels au sens de la sociologie de Weber, c'est-à-dire des gens qui vivent par et pour le complot. C'est leur source de revenus. Et comme c'est leur source de revenus, eh ben, quelque part, il faut qu'ils fassent fructifier leur activité. Et pour ça, eh ben, il y a tout un tas de techniques possibles, hein, et en particulier le merchandising, et aller plus loin que les autres, se démarquer des autres, fait aussi partie de ces stratégies d'accumulation de capital spécifique au champ conspirationniste. Alors, tu voulais ajouter un truc, non ? Alors, sur l'affaire Kennedy, que tu citais à l'instant, il y a un phénomène intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment, aujourd'hui, quand on cite l'affaire Kennedy, on est typiquement dans la théorie du complot. Si on revient en arrière dans le temps, début des années 60, et si on prend les revues, les grands journaux parisiens ou les grandes revues intellectuelles parisiennes, on se rend compte que cette idée qu'il y a une conspiration pour tuer Kennedy, on l'a trouvée dans le Tout Paris intellectuel. Elle a été défendue, un des premiers ouvrages a été publié aux éditions de Minuit, quand même pas l'éditeur le plus marginal venu, et les grands journaux, Express, Nouvelle Obs et compagnie, ont publié énormément d'articles sur ces sujets-là, des revues comme Les Temps modernes ou autres. Mais qu'il y ait une conspiration pour tuer Kennedy ne veut pas dire qu'on est dans une... Donc ça montre à quel point il y a... En fait, le problème est complexe parce qu'on voit bien que c'est difficile de tracer, c'est ça. La frontière. Ouais. Alors évidemment, il y a tout un tas d'auteurs aujourd'hui qui vont dans des discours qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait vu naître. Mais je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui est un outil comme Internet, qui, à mon avis, a totalement transformé ce genre de sujet. Et de la même façon qu'un phénomène comme la réforme était impossible au XVe, XVIe siècle sans l'invention de l'imprimerie, le débat qu'on a ce soir n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Internet, l'apparition d'Internet au milieu des années 90. Et on voit que ça coïncide historiquement. De quelle manière ? Parce que avant, quand on voulait s'intéresser à ce genre de sujet, il fallait faire partie de petits réseaux qui publiaient des fanzines, qui étaient des petits groupes et tout, et qui étaient invisibles. Moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait un discours officiel, scientifique, politique et tout, et les petits groupes étaient très marginalisés. Ils n'avaient pas accès aux grands médias, qui étaient très réduits. Aujourd'hui, c'est la télé qui est à la remorque d'Internet. C'est l'inverse. Et sur Internet, n'importe qui peut ouvrir son blog, n'importe qui peut se faire entendre. Ce qui fait qu'on a une transformation, une refonte totale des hiérarchies sociales et culturelles avec l'apparition de cet outil. Et Internet, c'est le milieu des années 90, c'est le moment où la série X-Files apparaît.
Et c'est le moment où on va voir tout un tas de discours de ce genre se développer avec une audience sans précédent. Et je pense que l'outil a permis ce genre de choses. Même analyse sur, par exemple, sur le conspirationnisme dans la culture populaire américaine, il y a la même rupture qui se joue au milieu des années 90. Moi, je repartirais d'un peu plus loin d'abord à ce que tu disais. C'est vrai qu'effectivement, appartenir à des réseaux, c'était obligatoire à l'époque. Quand on regarde de façon extrêmement précise les premiers théoriciens du complot autour de l'assassinat de Kennedy, pour revenir à ça, eh bien, ils sont 7-8. Ça passe par un échange épistolaire. Il y a quelques individus, on peut les nommer Penn Jones, Sylvia Meager, etc. Ils sont 7-8. Ils commencent à correspondre entre eux et petit à petit se professionnaliser, à structurer des réseaux. Et petit à petit, au départ, c'est tous des généralistes du complot, ils se spécialisent. Il y a une sorte de division du travail conspirationniste qui apparaît petit à petit. Ça, c'est très vrai. Et puis, deuxième chose, avant de passer à ce que tu demandais, c'est que c'est d'abord en Europe que ça a pris l'assassinat de Kennedy, les théories du complot, avant même les États-Unis, et bien sûr dans les grands journaux, mais aussi chez des intellectuels qui d'habitude étaient eux-mêmes victimes des théories du complot. Je pense ici à Bertrand Russell, le philosophe, qui pose une fameuse truc, c'est 16 questions about Kennedy assassinations, dans une revue très connue en Angleterre. Et à tel point que ça ne prend pas en 64, c'est-à-dire juste avant la publication du rapport Warren, Hofstadter, dans son célèbre ouvrage fondateur des études académiques sur la théorie du complot, donc Paranoid Styles and Other Essays, l'évacue l'assassinat de Kennedy, alors que c'était juste un peu plus d'un an avant, dans une note de bas de page en disant « ça ne m'intéresse pas, c'est un phénomène qui semble typiquement européen ». Donc il l'écarte, c'est déjà très important, l'ouvrage qui aujourd'hui est considéré, avec toutes les discussions qui en ont suivi, comme un ouvrage séminal. Mais effectivement, c'est vrai qu'avec Internet, aujourd'hui, moi je parlerai de, ça apparaît ce que j'ai appelé moi, un nivellement épistémologique. C'est-à-dire que les savoirs savants, les savoirs profanes, les savoirs des gens sont mis exactement sur le même plan. Il n'y a pas d'hiérarchisation. Si vous tapez, je ne sais pas, par exemple, 11 septembre dans Google, vous allez trouver les sites qui vont, de manière très factuelle, vous dire minute par minute le line-up du 11 septembre. D'autres qui vont accréditer la version dite officielle. D'autres qui vont attaquer la version officielle. D'autres qui vont alimenter des thèses conspirationnistes contradictoires les unes avec les autres. Pour certains, c'est un plan des jésuites qui se cacherait derrière les juifs. Pour d'autres, c'est les juifs. Pour d'autres, c'est les reptiliens. Pour d'autres, c'est le gouvernement américain lui-même, les néoconservateurs, etc. Et vous allez enfin trouver des sites qui combattent les théories du complot et peut-être enfin encore des sites qui combattent les debunkers, qui combattent les combattants des théories du des anti-conspirationnistes. Donc vous trouvez tout ça qui est sur le même plan. Donc c'est très difficile si vous n'avez pas, j'allais dire, une sorte de capital culturel, enfin de bagage intellectuel suffisant ou de capacité à hiérarchiser les informations. C'est très difficile de faire le tri là-dedans, surtout s'il y a un sujet que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est très important de le dire. Cette hiérarchisation, elle est compliquée, d'autant plus qu'on se rend compte que les conspirationnistes se structurent en communauté de plus en plus large sur Internet, avec leurs propres symboles, leurs propres signes de représentation, hein, la quenelle, l'ananas, vous savez, enfin, etc. Et ce retrouvent toujours autour des mêmes sites, c'est-à-dire que leur source d'information quasiment exclusive devient les fameux sites de réinformation. Ceci dit, en ça, les conspirationnistes ne sont pas spécialement différents des acteurs non conspirationnistes. En trois quarts du temps, ça se passe pareil. Lorsque vous regardez les forums, j'allais dire les forums du Parti Socialiste, les forums de l'UMP, c'est les gens qui sont adhérents UMP vont sur les forums UMP. Les gens qui sont plutôt du Parti Socialiste vont vers les journaux socialistes et les forums socialistes. Donc là, encore une fois, il ne faut pas avoir une sorte de vision complètement manichéenne entre conspirationnistes et non conspirationnistes. On retrouve des phénomènes sociaux, somme toute, assez comparables. Mais est-ce que ça change quelque chose d'abord, bon, je pense que c'est difficile à évaluer, mais aux gens qui entre dans ce que tu as appelé la catégorie des gens qui croient en les théories du complot, mais ça je pense que c'est très difficile à évaluer quantitativement. Et est-ce que ça change la nature de ces complots? Est-ce que ça les multiplie par exemple ou est-ce qu'on en voit apparaître de nouvelles, etc. Enfin, vous dites tous les deux que ça a un rôle au milieu des années 90 entre Internet, X-Files, etc. Puis j'imagine avec le 11 septembre qui produit un événement qui a quelque chose. Mais qu'est-ce que ça change? C'est juste quantitatif? C'est-à-dire que d'abord, il y a l'apparition d'Internet et de contenu. Par exemple, si en 94, on avait discuté de l'affaire de Roswell, dans la salle, personne ne connaissait. La première saison d'X-Files, en France, a été un bide, il faut le savoir. C'est la deuxième saison qui marche, parce que pendant l'été 95, on parle de l'extraterrestre de Roswell, une émission de Jacques Pradel sur TF1. Et là, notre culture se branche sur la culture américaine et ça devient un élément de notre culture commune. Mais évidemment, il y a un deuxième moment qui est les attentats de New York, parce que là, pour prendre une image, je dirais que c'est la guerre des mondes qui est arrivée dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a changé d'époque, on a changé de cadre de réalité. Quelque chose qui, la veille, aurait été jugé comme étant de la science-fiction ou un roman de Tom Clancy, s'est incarné dans la réalité. Un truc sans précédent. Donc à partir de ce moment-là, je dirais, ça ouvre les vannes. C'est-à-dire que pour un événement d'une telle ampleur,
il est normal qu'on cherche des causes d'une ampleur à peu près équivalente. Donc c'est ça, le raisonnement qu'il y a souvent sur ce genre de sujet, qu'on fait tous, hein, qu'on est tous tentés de faire, y compris justement quand on fait la sociologie de ce sujet, c'est que quand on voit un phénomène de grande ampleur, on imagine des causes d'égale ampleur, alors que les causes peuvent être minimes. C'est simplement les conséquences qui sont colossales. Donc, si je vise mal un boulon sur une étagère de livres, c'est mon étagère de livres qui se casse la gueule chez moi. Si je vise mal un boulon sur la navette spatiale, c'est la navette qui part en fumée. Vous voyez, c'est le même phénomène à la base, les conséquences sont différentes. Et sur ce genre de phénomène, c'est ça. Mais la manière dont souvent on raisonne à chaud sur ces sujets-là nous entraîne assez loin, que ce soit dans l'imagination de complot ou dans la réfutation. C'est le même phénomène qui joue dans les deux. Il y a aussi le fait, je crois qu'on a eu tellement d'images du 11 septembre que ça donne du grain à moudre quelque part. Roswell, il n'y a pas d'image. L'assassinat de Kennedy, il n'y a pas d'image en direct. Il n'y a pas une construction instantanée, une narration instantanée, comme on a pu le voir pour Charlie Hebdo. C'est pour ça aussi, je crois que c'est une des explications. Pour Charlie Hebdo, ça a duré 3 jours. Il y a eu vachement d'images prises. Alors que pour les attentats de novembre, là, il y avait beaucoup moins d'images. J'ai un collègue de l'université de Liège, je crois, qui a fait une étude un peu sémiologique de ces images. Il a montré qu'en moyenne, il n'y a à peu près que 5 ou 6 images qui ont tourné sur les télévisions françaises. Donc moins d'images, ça diminue, ça, quelque part, ça ferme un peu la possibilité de chercher le détail. Mais peut-être autre chose, c'est vrai qu'à une époque où finalement les médias, l'État, les grandes institutions de socialisation, les institutions publiques et privées sont largement décrédibilisées, décréditées, adhérer à la théorie du complot, ça permet de se rassurer, au moins sur le plan de symbolique. Les gens, vous avez un certain nombre d'acteurs qui se disent comment ça se fait que tout parte à volo. Je suis un bon citoyen, je paye mes impôts, je me lève le matin, je suis honnête, je ne commets pas de crime et tout un tas de choses aussi mauvaises me tombent dessus. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il y a des individus qui cherchent sciemment à déstabiliser le monde. Et comment ça se traduit ? Eh bien, finalement, par cette espèce de réification simplificatrice de la marche du monde. Tout ce qui se passe, ça ne peut pas être dû à la complexité, ça ne peut pas être dû à la rudesse, ça ne peut pas être dû au hasard, ça ne peut pas être dû, je ne sais pas moi, à la contingence, à la malchance, à l'accident. Non, c'est nécessairement voulu et planifié. Et c'est ça qui est, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ça permet aussi de donner une narration du monde qui est assez rassurante, paradoxalement, pour les individus qui la tiennent. Là, le complot le plus ancien que vous ayez, enfin les théories les plus anciennes que vous ayez citées, c'est lié à Kennedy, donc en gros l'arrivée des médias de masse et donc du coup la rupture que produit Internet rentre dans cette histoire-là. Mais est-ce que les théories du complot ont précédé les médias de masse ? En fait, il y a plusieurs moments. Il y a une époque où le monde était une conspiration. C'est-à-dire que il y a une rupture, je dirais, avec la Révolution française, au moins pour nous. C'est-à-dire que on voit apparaître le modèle avec un ouvrage célèbre de l'abbé Baruel, publié après la Révolution, à toute fin du XVIIIe siècle, avec cette idée que la Révolution française est une conspiration des francs-maçons. Et ça, c'est le modèle qui va être repris par la suite pour tout un tas d'idées de conspiration. Mais là, parce qu'on rentre dans un monde laïque, où on a des représentants humains, des hommes qui sont censés nous représenter. Et dès qu'il y a d'autres qui parlent en notre nom, on est tenté de les soupçonner, et parfois à raison, de ne pas nous représenter de façon équitable. Mais avant ça, il y avait des complots. Simplement, les complots, c'était les sorcières, c'était le diable, c'était la nature. Dès qu'il y avait un phénomène, une comète dans le ciel, ça annonçait qu'il y avait quelque chose qui se passait au plan social. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette coupure que nous avons instituée ensuite. Donc, l'histoire des conspirations, c'est très ancien. Mais ça a changé de nature avec la laïcisation du monde, je dirais. Moi, je serais remonté plus haut. C'est vrai qu'effectivement, il faut distinguer entre ce qu'on pourrait appeler des théories du complot antiques ou médiévales, type l'antijudaïsme, hein, qui concernent des événements extrêmement précis, des petites conspirations locales. Mais la première fois qu'on retrouve l'idée de ce conspirationnisme international, de ce méga complot, c'est plutôt au XIIe siècle, autour du mythe templier. On retrouve ça déjà dès le XIIe siècle, notamment chez les clercs, hein, l'abbé Guillaume de Thiers. Et pourquoi je mentionne ça ? Parce qu'on retrouve, moi, ce que je considérais être comme les traits invariants du conspirationnisme. À savoir, comment ça se manifeste avec les Templiers, ça ? L'idée, que, justement, je vais expliquer que les Templiers seraient un ordre cosmopolite, étranger au génie des nations, qui n'aurait qu'un seul but, c'est rechercher le pouvoir et l'argent à leur profit exclusif. Et on retrouve ici les caractéristiques principales du mythe conspirationniste moderne, c'est-à-dire la désignation d'un bouc émissaire, en l'occurrence les Templiers, boucs émissaires qui sont toujours une minorité à une société donnée, mais qui est une minorité qui serait assez puissante pour pouvoir non seulement
conspirer, mais aussi dissimuler l'idée même qu'il existerait une conspiration. C'est ce qu'on peut appeler, par exemple, beaucoup plus tard, dans les mythes plus contemporains, l'anti-France ou les un-American. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Eh bien, ces boucs émissaires, ils sont immoraux. Ils ont toutes les tares morales, et en particulier, ils se livrent à des comportements sexuels extrêmement déviants. Ça, c'est pareil, ça fait partie des invariants du conspirationnisme. À un moment ou à un autre, on y arrive toujours. Alors, jusque dans les années 50, 1950, c'était à peu près la même chose. Ce sont des homosexuels et ils se masturbent. Aujourd'hui, ces comportements sont largement acceptés. Donc, on a eu une inflation, pédophilie, zoophilie, nécrophilie, tout est possible. Donc, ils sont immoraux. Ils corrompent la société. Ils manient l'art du secret, l'art de la simulation et de la dissimulation. Ils agissent dans l'ombre. Tout est caché, dans les arrière-loges alcoolisées, dans des arrière-salles. Les gouvernements officiels ne sont que des hommes de paille, ne sont que des marionnettes. Ils cherchent à s'accaparer tous les pouvoirs dans tous les champs, économiques, financiers, culturels, médiatiques, avant l'heure pour les Templiers, bref. Et enfin et surtout, le dernier trait, c'est ce processus que j'appelle d'hybridation et de créolisation. C'est-à-dire que les mythes conspirationnistes ont tendance à s'amalgamer, à muter sous l'action du temps en fonction des modes et des instants. On passe par exemple des Templiers aux francs-maçons. Tout le monde a déjà vu ce film avec Nicolas Cage, comment il s'appelle, Benjamin Button, Benjamin Gates, c'est ça, et l'ordre du Templier. On vous explique que la déclaration d'indépendance est un complot maçonnique qui lui-même est le descendant du complot des Templiers. Le complot maçonnique va s'hybrider avec le complot jésuite, avec le complot juif, avec le complot communiste et à la dernière mode avec le complot reptilien, de sorte qu'aujourd'hui, de toute manière, on est dans une sorte de gloubi-glouba où c'est impossible de dire si une théorie du complot est purement antisémite, purement anti-reptilien ou anti-illuminati, puisque tout ça semble s'amalgamer avec la représentation qu'au sommet d'une pyramide quasiment invisible, un tout petit nombre d'individus, quelques dizaines, dirige tout. Et là, on retrouve un peu ce qu'Henri Coston, dans les années 1930 et 40, c'est le mythe des 200 familles. C'est quelques familles qui contrôlent tout, qui dirigent tout. Donc ça, on retrouve ça déjà, les prémices de ça, de façon extrêmement claire et détaillée, dans l'ouvrage de l'abbé Guillaume de Thiers au XIIe siècle. Qu'est-ce qui, historiquement, crée des événements propices à soit l'émergence d'une théorie dans cette filiation que vous avez faite, soit à une ouverture de vanne. Qu'est-ce qui produit ce type de... Est-ce que c'est un moment, justement, comme tu disais, Pierre, c'est-à-dire tout à coup, il y a un phénomène qui est tellement énorme que du coup, les catégories, disons, anciennes d'analyse explosent et qu'on trouve quelque chose d'aussi vaste. Est-ce que c'est, je ne sais pas, le côté international, enfin, j'en sais rien. Il faut que l'événement ait une certaine ampleur. L'histoire des Templiers, c'était un réseau qui avait un tel pouvoir. D'ailleurs, l'histoire des Templiers, c'est lié à la longue histoire des procès de sorcellerie. C'est une des premières formes, puisqu'il y a l'accusation de diabolisme. Ils ont pactisé avec le diable et ils ont quitté l'Église. Donc, pendant longtemps, c'était les phénomènes... Comme on vivait dans une nature, c'est un phénomène qui revient maintenant, on vivait dans une nature qu'on était incapable de maîtriser d'une quelconque façon, on était aux caprices du climat et tout, et qu'on était dans une nature qui n'était pas la nature rationaliste qui est la nôtre, il y avait constamment la possibilité que le diable, les sorciers ou des agents interviennent et donc conspirent contre le monde. Donc le mode de lecture, c'était celui-là. Et il était accepté par les intellectuels de l'époque. Les grands économistes comme Jean Bodin au XVIe siècle théorisent la chasse aux sorcières et expliquent comment tout cela fonctionne. Et plus récemment, comme on est dans un monde laïque, c'est différent. Mais c'est effectivement les grands événements politiques, d'affaires ou autres, tout peut se prêter à une lecture dans la mesure où on essaie de... Chaque fois, mais c'est... Je le disais au départ, c'est la même démarche que d'un journaliste d'investigation. C'est-à-dire qu'on passe derrière le décor pour essayer de comprendre tout un tas de choses qui sont opaques. Et alors, après, c'est soit on s'arrête, parce que des complots, des gens qui voudraient monter des complots, il y en a plein. Les archives de la CIA sont remplies de projets de complots. Simplement, la plupart du temps, ils foirent lamentablement. Après, la question, c'est quand on commence à penser qu'en fait, non, tous ces complots réussissent. C'est là où on attribue aux acteurs humains des capacités de super-héros. On n'a pas cette capacité à faire fonctionner les complots aussi bien. Dans certains cas, ça marche, mais la plupart du temps, ça foire.
Donc la différence, elle est là. C'est-à-dire que si évidemment on tombe dans un système, il y a des livres comme ça qui sont écrits où on nous explique vraiment tout le scénario est bien huilé, fonctionne bien. Bon, là, ça tient difficilement. Mais on a tous des choses sur lesquelles on le sait parce que les documents existent, où il y a effectivement des gens qui montent des conspirations, mais plutôt locales. Oui, et le fait même qu'il y ait secret favorise l'élaboration du complot. Enfin, c'est ce que tu racontes dans ton livre sur les ovnis. C'est quand on découvre qu'effectivement les administrations américaines se sont intéressées aux ovnis, ça valide tous ceux qui pensaient. Ils ont caché la vérité pendant des décennies. Ouais. Simplement, ce n'était pas la même vérité que celle que certains les accusent d'avoir cachée. C'est ça. Ouais. C'est vrai que l'un des propres du raisonnement complotiste ou sceptique, on va dire, et de rechercher ce que j'appelle un précédent légitime, légitimement. Légitime parce qu'il a existé, le Watergate a bien eu lieu, donc ça ne veut pas dire que le 11 septembre a eu lieu. Ce que vous disent certains conspirationnistes, c'est-à-dire que si on nous donnait les moyens d'enquêter sur le 11 septembre ou sur Pearl Harbor, on découvrait aussi qu'il s'agirait d'un complot, une sorte de raisonnement systématique qui réduit tout au complot. Et je voulais justement rebondir sur deux choses. D'abord, la première, c'est vrai qu'il y a un décalage de perception qui est super intéressant parce qu'il est typique du conspirationnisme. C'est que d'un côté, effectivement, que ce soit la CIA, incriminé qui vous voulez, c'est quand même d'un côté des super grands incapables parce qu'ils se font attraper à chaque fois qu'ils commettent quelque chose. N'importe quel couillon derrière son petit ordinateur qui a 12 ans est capable de dire « Regardez, c'est sûr, c'est un complot, ça se voit, c'est magnifique, c'est évident, c'est manifeste. » Mais de l'autre, on vous dit également que cette CIA, que ce gouvernement américain ou autre, est tellement puissant qu'il est capable d'organiser des plans hyper compliqués qui se déroulent à la lettre près, sans anicroche, et le tout sans que jamais un agent officiel ne le révèle. Il serait donc capable d'exercer un contrôle social absolument faramineux sur des dizaines de centaines de personnes. Alors ce décalage, il est absolument incroyable. Il est même, j'allais dire, antilogique d'un côté. Ça ne peut pas être super facile de les gauler quand ils font des complots. Un gamin de 12 ans derrière son ordinateur, et de l'autre, qui soit capable d'exercer un tel contrôle social, une telle pression pour que le complot ne soit jamais révélé au grand jour. Donc là, il y a quand même quelque chose, il y a un biais cognitif qui est très important. Je reviens à ce que tu disais sur l'événement. Est-ce que l'événement est déclencheur ? Oui, oui et non. Oui, d'abord, parce que, pour ce que j'appellerais, moi, la suite d'une collègue américaine, les citoyens enquêteurs, c'est on voit des individus, des groupes d'individus qui mènent des trajectoires individuelles et collectives de radicalisation. Ce dont je parlais tout à l'heure, Penn Jones, Sylvia Meagher et Edward Epstein, des gens qui ont été les premiers warrenologistes, les premiers à enquêter sur l'assassinat de Kennedy. Ils ont été quelque part comme frappés par l'événement, et petit à petit, ils se sont, comment dire, professionnalisés. Ils ont acquis des capitaux spécifiques, ils se sont spécialisés dans différents aspects de l'enquête ou de la contre-enquête citoyenne. Ils ont structuré des réseaux. Ils ont acquis des compétences. Donc petit à petit, vous avez des trajectoires individuelles et collectives de radicalisation conspirationniste qu'on retrouve aussi au 11 septembre, et notamment, je pense ici aux fameuses Jersey Girls, qui sont quatre femmes du New Jersey, qui sont assez connues parce qu'elles ont perdu leur mari, qui progressivement ont monté des associations pour faire des contre-enquêtes et qui sont ralliées petit à petit, pas à pas, aux théories du complot. Mais à l'inverse, pour certains, finalement, et là je parle des professionnels du complot dont on parlait tout à l'heure, peu importe l'événement, quoi qu'il arrive, ils vont fournir une explication du monde clé en main. Même si cet événement n'avait pas eu lieu, peu importe, puisqu'il n'est qu'une manifestation parmi d'autres du complot, puisque le complot est partout. Donc pour certains, c'est une sorte de fenêtre d'opportunité qui permet ou qui ouvre une trajectoire de radicalisation, une trajectoire qui va pas à pas, il faut les décrire minutieusement, c'est pas du jour au lendemain en se réveillant, tiens, je suis complotiste. C'est pas ça, c'est vraiment des carrières au sens sociologique du terme qu'il faut reconstituer pas à pas, et c'est jamais rectiligne, ça aurait pu ne pas être comme ça, il n'y a pas de nécessité ni de systématisme. Et de l'autre, effectivement, vous avez ces professionnels du complot qui, quoi qu'il arrive, fournissent dès le jour même des attentats une explication clé en main. Voilà, moi je vous explique comment ça s'est passé, c'est évident, c'est comme d'habitude, ce sont les sionistes, c'est comme d'habitude, ce sont les reptiliens, c'est comme d'habitude, ce sont les francs-maçons, voilà pourquoi, parce qu'un tel a rencontré un tel le jour avant, etc. Et est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus ou moins propices à l'accueil des théories du complot ? Parce que pourquoi, par exemple, on a l'impression que les États-Unis en produisent en masse ? D'ailleurs, et l'exemple de Kennedy montre que ce n'est pas forcément le cas, d'ailleurs. Est-ce que l'anti-étatisme américain, par exemple, est propice à ça ? Est-ce qu'on observe que, en Asie, il n'y a pas de théorie du complot ? Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des questions comme ça qui pourraient faire en sorte que des univers culturels soient plus ou moins accueillants ? Le fondamentalisme protestant, peut-être, aide à ce genre de choses. Mais en quoi ? Je ne sais pas. Toutes les sectes protestantes, on le voit avec le procès de Salem, qui est un procès de sorcellerie extrêmement tardif.
au XVIIIe siècle, et alors qu'en Europe, c'était fini depuis longtemps, on était passé à autre chose. Donc, il y a sans doute un certain nombre... Là, j'avoue que je suis pas sûr, mais un point, moi, qui veut, par rapport à ce que tu dis, qui est intéressant, c'est cette impossibilité, cette difficulté à couper, par exemple, sur l'histoire de la CIA, les complots de la CIA, ou les complots de l'US Air Force dans les trucs style Roswell et autres. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une bonne partie de ces théories du complot, les gens qui en sont à l'origine, sont d'anciens membres de ces institutions. Les histoires sur Roswell ont énormément circulé, les histoires sur les crashs de soucoupes avant Roswell, dans les années 50-60, ont énormément circulé par d'anciens militaires qui sont les premiers à... Comme c'est un système extrêmement cloisonné, tout l'appareil, toute l'administration du secret américain, c'est un univers très cloisonné. Donc, ces gens passent leur temps à soupçonner que le bureau d'à côté monte, met en place quelque chose dont ils ne sont pas au courant. Et ça, dès 1947, on a ce genre de choses avec les soucoupes. Ils soupçonnent, le FBI soupçonne que l'armée cache quelque chose ou que des cellules communistes sont en activité, etc., etc. Donc, beaucoup de ces histoires sont nées de la littérature et des témoignages produits par d'anciens membres de ces services. Donc là, ça devient indémerdable. Je prendrai un exemple récent. On a un état d'urgence actuellement lié à une situation très concrète que tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça a entraîné ces dernières semaines ? Tout un tas de perquisitions, c'est des gens qui ont été les premiers surpris de voir la police casser leurs portes. C'est quoi ça ? Quelque part, il y a des gens dans l'administration qui... étant obligés de débusquer, leur métier c'est de débusquer toute possibilité d'attentat, vont en fait avoir une tendance à surestimer tout un tas d'indices. Mais là on a quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a une partie de nos forces de police qui a parfois tendance à faire du zèle, et ce zèle c'est quelque part imaginer des complots là où il n'y en a pas. Et donc tout un tas de gens se sont retrouvés acteurs de complots imaginaires, et avec les conséquences que l'on sait. La presse a fait la liste de tous ces pauvres gens qui ont eu leur porte cassée et qui se sont retrouvés cloués chez eux et tout ce qui en suit. Donc, c'est là où, évidemment, sur les extrêmes, on a des phénomènes massifs d'acteurs, Dieudonné ou autres, qui sont assez stupéfiants. Et je pense, encore une fois, Internet permet ce genre de phénomène d'apparaître et de durer. Et l'outil est extrêmement important. Mais dès qu'on va dans la population normale, on a beaucoup de mal à trouver la frontière parce que on est des deux côtés de la barrière chaque fois. Effectivement, c'est, par contre, c'est vrai que si on reprend le cas d'espèce américain, il y a une culture du complot qui est structurée, mais qui est structurée depuis au moins la Révolution américaine. Il ne faut jamais oublier que la Révolution américaine, contrairement à la Révolution anglaise ou la Révolution française, elle se fait aussi contre un pouvoir législatif, pas que contre un pouvoir exécutif. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le roi, ou le roi en l'espèce qui conspire contre le peuple, c'est les représentants du peuple, c'est les élus, les représentants qui eux-mêmes sont accusés de mener une conspiration fiscale contre les citoyens américains. Donc déjà, ça a produit un effet qui est une sorte de méfiance à l'endroit du pouvoir central, exécutif, mais aussi législatif. Et ça, c'est tout le débat fédéraliste, antifédéraliste, hein, qu'on retrouve autour de la Révolution américaine, le tout sous fond de conspirations maçonniques Illuminati, notamment développées par un auteur qui est contemporain de Barruel, qui s'appelle John Robison, qui écrit un énorme pamphlet où il explique que, de toute façon, il faut se méfier, il y a des francs-maçons, il y a des Illuminati qui sont infiltrés dans la Révolution américaine, et que tout ça ne semble pas très bon. Se produit alors ce qu'on a appelé les Alien Sedition Act, qui sont des lois de déchéance de nationalité, c'est un thème qui fait écho au débat actuel, pour ceux qui seraient restés finalement fidèles secrètement à l'Angleterre, au sein de l'administration ou alors simplement des administrations locales. Donc déjà, on fait tout pour éviter un pouvoir central fort, et on cherche en plus les, entre guillemets, les traîtres ou les supposés traîtres dans l'administration. Et la conspiration menée par Aaron Burr, et à cet égard, quelque part, c'est en symptomatique, puisqu'elle ouvre aussi la possibilité qu'effectivement, il y a des gens qui voudraient encore subvertir la jeune République. Donc elle se construit déjà sur des bases comme celle-ci. Se développent alors des pouvoirs locaux, avec des autorités locales plus ou moins puissantes, mais surtout, très souvent, inexistantes et défaillantes à mesure de l'expansion vers l'Est. Les autorités, les institutions de socialisation, elles arrivent après les gens. Et là-dessus se développe aussi, effectivement, un courant religieux qui donne naissance au courant évangélique au début du XXe siècle, qui remet en cause aussi toutes les hiérarchies, toutes les autorités, avec des individus un peu particuliers qui deviennent des superstars évangéliques, hein, qui crachent à la figure de l'école, qui crachent à la figure des sciences. On pense ici au procès du singe, ou alors à quelqu'un qui s'appelle Billy Sunday, qui est un pasteur, le premier pasteur superstar. Il fait des tournées façon hard rock, à Madonna, elle n'a rien inventé. C'est un peu ce niveau-là. Cela aussi, et puis effectivement, la
l'intrusion de la possibilité du complot dans l'appareil d'État américain. Et ça, dès finalement 1820, avec le mouvement anti-maçonnique, on voit se développer aux États-Unis la peur des francs-maçons, l'idée que les francs-maçons constitueraient une sorte de parti politique officieux qui se cacherait et qui occuperait tous les postes de pouvoir contre l'égalitariste américain. C'est quand même, il y a ce mouvement-là, les années 20, qui est très important. Et à partir de là, tous les 15 ou 20 ans, on voit une sorte de poussée conspirationniste qui apparaît aux États-Unis. Ça prendra éventuellement la forme du populisme à la fin du siècle, ça prendra la forme dans les années 20 de cette Red Scare, la peur rouge, où des officiels vont chercher à débusquer les communistes dans les assemblées, notamment à New York, où le ministre de la Justice et Mitchell Palmer fait arrêter les gens et propose des mesures de déportation, donc d'expulsion, hein, notamment à longueur des anarchistes, mais ces anarchistes, ils sont quand même très souvent juifs et très souvent issus d'Europe de l'Est. Donc tout ça, ça va ensemble. Ensuite, il y a un moment d'accalmie avec la Première Guerre mondiale. Dans les années 30, Roosevelt, ça semble être un communiste. Il y a tout un tas de jeux de mots qui sont faits à l'époque sur Franklin Déloyal Rosenfeld. Au lieu de Franklin Déloyal Roosevelt, on parle de Jew Deal, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, Truman n'en est pas trop sûr. Puis dans les années 50 jusqu'à 70, on recherche encore des communistes, car la chasse aux sorcières n'est pas réductible à son symptôme le plus, j'allais dire, pathologique, qui est le maccartisme. Et encore ensuite, on va chercher dans les années 70 de nouveau à se méfier encore des communistes, puis ensuite des francs-maçons de nouveau, puis des juifs, puis des reptiliens. Bref, les États-Unis ont une sorte de méfiance qui vient de leur anti-étatisme, à la sphère de certains groupes constitués qui pourraient s'infiltrer dans l'appareil d'État. Et cette crainte d'infiltration, elle vient aussi de l'appareil d'État lui-même, des services évidemment, mais ça c'est un peu leur métier quelque part, de chercher les conspirations. Et enfin, il y a un dernier élément qui explique ça, c'est qu'il y a une extraordinaire socialisation conspirationniste aux États-Unis. Le nombre de films, de dessins animés, de livres, d'ouvrages où l'idée du complot est présentée, même sur un ton ludique, comme étant une représentation du pouvoir acceptable, finalement vous avez une sorte de répertoire de théorie du pouvoir. Et parmi ce répertoire de théorie du pouvoir, la théorie du complot comme théorie du pouvoir fait partie quelque part de quelque chose qui est légèrement admise. Ce qui n'empêche pas notamment parfois certains candidats à la présidentielle américaine, notamment dans le camp républicain ou alors indépendant, Ross Perot, Donald Trump, Mike Cabby, Rick Perry, Rick Santorum, de sans complexe agiter l'idée qu'il existerait une conspiration. Dans la dernière campagne présidentielle américaine, je pense à ça, et vous avez des gens qui vous expliquaient de façon très sérieuse, des soutiens des candidats, notamment Chuck Norris, hein, que si Obama était réélu, dans 5 ans, les chars de l'ONU allaient envahir le Texas. Hein, c'était sûr, c'était clair, net, précis, c'était évident, c'était écrit, puisqu'Obama, qui d'ailleurs lui-même n'est pas américain, mais une sorte de crypto-musulman, soit fasciste, soit communiste, l'un ou l'autre finalement, comme on veut, eh bien, participerait à cette conspiration. Et je suis frappé par quelque chose en vous écoutant, c'est que le complot nouvelle version, c'est-à-dire version laïque, disons, me semble, enfin, dans ce que vous dites, intimement lié à la question de la démocratie, c'est-à-dire à la question de la représentation, à la question de l'égalité supposée entre les citoyens. Et c'est qu'au fond, dans un pays, par exemple, qui vit sous une dictature où, de fait et de manière très ouverte, une petite partie de la population s'arroge tous les pouvoirs, pourquoi créer des complots alors que le complot naît à partir du moment où il y a une égalité supposée qui serait en fait pas vraiment le cas parce que... Est-ce que je me trompe en disant... Donc du coup, pour répondre à ma question tout à l'heure, c'est que c'est peut-être pas une inégalité géographique entre les disons des sociétés plus ou moins accueillantes vis-à-vis du complot, c'est qu'en fait ce serait plutôt une inégalité politique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui favorise le complot, c'est la démocratie. Pas nécessairement. Plus que non. Pas nécessairement, parce que c'est vrai que nous, dans la zone européenne, disons américano-européenne, on nous sommes des démocraties et c'est justement l'hyperinformation qui permet de nourrir les théories du complot par des revendications et pour plus de justice sociale, etc. Ou autre, et le complot devient comme une sorte de théorie du pouvoir légitime, puisque finalement l'État libéral, démocratique, tolère quelque part la formulation de ces points de vue-là. À l'inverse, dans les sociétés, disons, arabo-musulmanes, dans les orientales, qui sont plus ou moins des théocraties, le complot existe aussi. On voit les juifs partout. Les juifs, ouais. En Égypte, par exemple, ouais. Il y a quelques années, c'était encore le régime d'Hosni Moubarak. Il y avait les protocoles des sages de Sion adaptés à la télé en 32 épisodes hein, sur la chaîne publique, il n'y a pas de souci. Et en inverse encore, dans d'autres régimes, des régimes dictatoriaux, voire totalisants, eh bien, c'est l'État lui-même qui produit les théories du complot. La Corée du Nord, c'est un exemple particulier, le complot américain contre nous, le complot de tous nos ennemis, finalement nous, le paradis socialiste du réel, contre les Sud-Coréens, peuple dévoyé, dégénéré, etc. Donc ça dépend. Ouais. On ne peut pas dire que le complot... et réducteur à démocratie. C'est vrai que nous, dans notre espace, j'allais dire culturel et géographique, c'est la démocratie qui permet la production des théories du complot, mais c'est pas nécessairement d'accord. Vrai. Il y a pas. C'est comme l'histoire des sorcières avant, quoi.
On était dans un univers qui était différent de l'univers politique actuel, depuis la Révolution française, en gros, ou d'autres révolutions dans notre pays. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait des théories du complot qui fonctionnaient très très bien et qui expliquaient le monde. Donc, mais c'est vrai que la démocratie, par contre, la peur de perdre une once de démocratie, je pense, aide aussi à tout un tas de théories à se développer. Et de ce point de vue-là, les États-Unis, où la notion de démocratie est assez différente chez nous. Nous, on pose des bornes à la démocratie. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Donc, ça permet beaucoup plus, sans doute, à tout un tas de théories de se développer par rapport à chez nous. Ce qui est curieux, c'est vrai que certaines sont nées chez nous. Kennedy ou le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est né chez nous ? Bah, c'est Thierry Messant qui est à l'origine. Mais ce n'était pas contesté aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, je me souviens, quand le livre de Thierry Messant est sorti, la réaction américaine, j'ai eu plein de réactions du Folog américain qui m'ont écrit en étant scandalisé de ce qu'ils entendaient. Alors ouais. Après, ça a fait son chemin. Mais il me semble que le livre, il y a sans doute eu des acteurs qui étaient déjà prêts, mais qui étaient très marginaux. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène qui est très différent de ce qu'il était dans ces niches marginales. Évidemment, il y a tout le temps des acteurs qui sont prêts à récupérer, mais on est dans des groupes très, très extrêmes. Ouais. Effectivement, il y a le livre de Thierry Messant, mais il y a quand même aussi sur le site du Réseau Voltaire une série d'articles qui est d'abord interrogatif, est-ce qu'on nous cache des choses ? Donc il y a quand même, même chez eux, une sorte de trajectoire encore ici, mais qu'on pourrait remonter beaucoup plus loin chez Thierry Messant, quand les années 90, il dénonçait l'extrême droite derrière la visite du pape en France, assassinat d'un archevêque de Caracas par son successeur, etc. Donc on pourrait remonter, mais les premières théories quand même du conspirationnisme sur du 11 septembre, elles naissent dans l'extrême droite religieuse américaine, la New Christian Right. On voit les théories millénaristes, notamment sur les images, vous voyez, le diable était là. Et puis du diable, progressivement, on passe à sa réification, à son incarnation dans le monde sensible, autour de la figure classique du diable, du démon, et bien, qui sont les juifs. On trouve ce premier mouvement, une sorte de laïcisation, de sécularisation des premières thèses. Les premiers qui vont lancer les choses, ce sont des chrétiens fondamentalistes, des pasteurs, qui vont vous expliquer, regardez ce qui s'est passé, c'est la punition, c'est le châtiment divin, parce que vous êtes une société décadente, parce qu'il y a de la pornographie, parce qu'il y a de la drogue, parce qu'il y a de l'homosexualité, parce que la famille paravolo, tout ça, c'est un châtiment. Et progressivement, petit à petit, il y a cette sécularisation autour du discours contre les juifs, contre les sionistes, et qui prend la forme de jeux de clavier morbides en changeant les polices, où on voit en weeding apparaître des tours, des trucs, des avions, et aussi l'idée que cette rumeur qui naît dans le monde arabo-musulman, il y a 4000 juifs qui auraient été prévenus le matin sur leur smartphone, qui ne seraient pas allés bosser pour ne pas être tués dans les tours du 11 septembre. Et sur la question que vous avez juste évoquée, enfin, surtout toi, en introduction, quelle idée de quel public est le plus prompt à accueillir les théories complotistes. Et sur l'idée, parce que c'est vraiment quelque chose qui circule énormément aujourd'hui, enfin, qui est très régulièrement dit, que les jeunes auraient une appétence particulière, etc. D'abord, est-ce que ça se vérifie, premièrement ? Et deuxièmement, si ça se vérifie, comment c'est explicable ? Moi, je ne le quantifierais pas, déjà. Est-ce que c'est les jeunes plus que l'autre ? À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui le montre de manière définitive que les jeunes croient plus aux théories du complot. Bon, quand on regarde les évolutions de croyances dans la théorie du complot sur Kennedy, il n'y a pas depuis les années 70, donc sur les études longitudinales, on a un stock relativement stable et il n'y a pas de différence d'âge particulière. Ce n'est pas significatif. Ensuite, pourquoi est-ce que les jeunes ont peut-être une attirance particulière pour le conspirationnisme ? Parce qu'ils sont quand même, c'est un peu ballot à dire, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais dans une période de structuration de leur représentation politique. Ils sont en train de chercher, ils sont en doute. Est-ce que je cherche à confirmer ou infirmer ce que la socialisation primaire transmise par les parents au niveau politique. Est-ce que si, par exemple, voilà, mon père est comme ça ou ma mère est comme ça, est-ce que je vais forcément suivre leur trace ? Est-ce que je remets en cause ? Il y a des débats, il y a des discussions. Et là-dessus, Internet, parce qu'on le disait, le nivellement épistémologique des contenus, permet finalement de créer le doute. Et puis en plus, il y a quelque chose que la sociologie du secret, notamment le sociologue Jörg Simmel, avait montré depuis longtemps, c'est que connaître quelque chose de secret, ça donne non seulement une certaine importance, ça permet de se valoriser, je sais quelque chose que les autres ne savent pas, et c'est encore mieux quand vous êtes un élève de dire « je sais un truc que le prof, il ne sait pas ». Le prof dans sa classe, c'est le mandarin, il est à toute puissance. « je sais un truc que le prof, il ne sait pas ». J'ai une connaissance secrète, on va le dire avec un mot barbare, une gnose herméneutique à ma disposition, je sais ce que les autres ne savent pas. Ça me donne une puissance, cette puissance, elle est forte parce qu'elle me permet d'accéder à un petit cercle d'initiés, ceux qui savent par rapport aux idiots, les moutons, les sheeples, par rapport aux troussers, je sais, vous ne savez pas. Et ce secret, il est extrêmement difficile à garder parce que d'un côté, il peut vous permettre d'accéder à des savoirs particuliers, mais aussi, c'est quand même extrêmement jouissif de révéler aux autres ce secret en disant « Regardez ce que je sais que vous ne savez pas ».
Donc il y a cette contradiction qui est très intéressante. Et là, je sais un truc que le prof ne sait pas. Je vais vous dire la vérité derrière l'histoire que vous nous racontez, vous, soit idiot utile, soit même agent du complot. Oui, par ailleurs, il y a toute la formation de l'esprit critique aussi, tout simplement. Bien sûr. Qui s'applique à toute forme de discours institutionnalisé. Effectivement, bien sûr. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que quand j'enseigne en université, donc en grandes écoles, donc l'enseignement supérieur, là, ce que je remarque, c'est que bon, je pense que le phénomène d'Internet est très. Ils sont beaucoup plus connectés, évidemment, que les générations plus âgées. Donc, cette culture d'Internet est très importante. Mais il y a aussi un aspect, moi, que j'ai souvent noté, quand ils évoquent les reptiliens ou autres, il y a un aspect ludique, très souvent. Donc, c'est toujours le problème de la croyance. C'est un concept extrêmement difficile à manipuler. C'est-à-dire ludique, tu le vois. C'est-à-dire que souvent, c'est présenté, on ne sait pas s'ils y croient ou c'est la dernière bonne blague à la mode. Donc, il y a certainement des choses auxquelles qu'ils prennent au sérieux. Mais il y a un jeu, ça circule énormément entre eux sur les réseaux sociaux, ce qui fait que ça se retourne très facilement et ça change beaucoup. Alors, il y a certainement, comme toujours, des acteurs qui prennent ça très au sérieux, mais majoritairement, il me semble que c'est aussi quelque chose, c'est un peu comme le thème astrologique, quoi. Ça permet de créer du lien, de discuter, d'échanger beaucoup de choses. Donc, il faut relativiser beaucoup le niveau de croyance de pas mal de jeunes aujourd'hui. Alors c'est vrai que le côté ludique, on joue un peu à se faire peur, on joue un petit peu à découvrir un truc, c'est comme genre on va dans la grotte, on va découvrir des fantômes, il y a un peu de ça effectivement. Il y a un thème ludique, mais il y a quand même aussi un phénomène qu'il ne faut pas négliger non plus, hein. Ce que tu dis est vrai, mais c'est que dans les témoignages qui remontent des enseignants du secondaire et même à l'université, on en retrouve aussi, par exemple en première année, moi j'en ai eu pas mal, qui nous disaient dans leur copie, ouais mais ce que vous avez dit en cours quand même... derrière le pouvoir, regardez, il y a quand même l'idée des juifs, il y a quand même l'idée des francs-maçons. Moi, j'avais donné, il y a 3 ans, je crois, un commentaire, un truc très passionnant. Hein. Le pouvoir exécutif aux États-Unis d'après Tocqueville, donc un sujet super intéressant. Et l'étudiant me fait une première partie où il explique en grand 1, grosso modo, bon voilà, il fait un peu de, comment on appelle ça, de paraphrase du texte. Et en grand 2, le véritable pouvoir secret aux États-Unis, les Illuminati et les francs-maçons. Et ben, on trouve ça de plus en plus. Il y a pas mal de collègues du secondaire qui viennent nous dire, qui nous envoient des mails. On fait comment là? Parce qu'à un moment, ils nous disent, ils nous parlent de choses, ils nous parlent, on travaille sur la Révolution française, ils disent, mais non, monsieur, les Jacobins, les Feuillants, comment ça s'appelle, les Girondins, Marat, Herbert, tout ça, c'est pas vrai. Eux, c'est juste un peu, ils sont manipulés par cette triple alliance, hein, vous savez, les démagogues, donc les philosophes, les Illuminati et les francs-maçons. Moi, j'ai trouvé ça sur Internet et tout, et un prof me dit un jour, mais je fais comment? Je vais essayer de discuter un peu avec eux, leur rentrer pas dedans en disant c'est des imbéciles parce que sinon vous allez braquer, ça va pas marcher. Alors ils cherchent un petit peu sur Internet et tout. Le cours suivant, ils discutent avec ses élèves. Et là, il me renvoie mal, il me fait mais j'ai été effrayé et impressionné par leur degré de connaissance de ces sujets. Le temps passé sur Internet par un certain nombre de lycéens, ou pas que d'ailleurs, à chercher des vidéos complotistes, à chercher des arguments supplémentaires ou des bribes d'arguments supplémentaires est absolument incroyable. Aujourd'hui, il y a une jeune génération qui, grâce à Internet, atteint un niveau de socialisation conspirationniste pour qu'il fallait plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour certains à acquérir avant, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on y revient, il fallait être inséré dans des réseaux, il fallait connaître des gens qui connaissent des gens, qui pouvaient vous passer le bouquin, qui pouvaient vous le conseiller. Alors qu'aujourd'hui, finalement, en quelques clics, vous trouvez les protocoles des sages de Sion, ou bien sûr, certaines maisons d'édition les vendent aussi. Mais là, vous n'avez même pas besoin de les acheter, d'aller chez le libraire, vous le téléchargez. Tous ces bouquins existent en PDF, avec les sites de peer-to-peer, avec les plateformes. Tout ça permet d'avoir un contenu quasiment illimité. Combiné à ça, avec le développement en 2000, du tournant vidéo d'Internet, ce qu'on appelle le found footage, les vidéos recombinantes, vous pouvez faire des trucs super bien sur le plan esthétique, avec des belles bandes son. Vous avez, par exemple, Lord of the Rings de Twin Towers. On vous mélange des images du Seigneur des Anneaux, les deux tours, avec des super musiques extraites des plus grands blockbusters. Et on vous réécrit les dialogues en vous disant, voyez, par exemple, Gollum, il aime l'argent, et c'est le juif de service, tel ou tel c'est Dick Cheney, tel ou tel c'est machin. Et on vous présente quelque chose qui est magnifique, qui fait sens dans une culture Internet, dans la culture des jeunes. Donc il y a aussi, on va les chercher quelque part aussi. Mais qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion du point de vue, disons, de... vous êtes des scientifiques, voilà, vous intéressez à ça de manière scientifique, mais vous comprenez bien que cette description-là, elle peut faire peur, inquiéter, ou etc. Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion du point de vue, disons, d'action, ça, même si c'est pas du tout... Là, je vous demande de sortir de votre champ, ça, d'arrêter d'être des stricts observateurs. Mais qu'est-ce qu'on fait, effectivement, les profs qui vous envoient ça, qu'est-ce que vous considérez qu'il faille faire
ou qui puisse être fait intelligemment ou face à ça. D'abord, est-ce que c'est un vrai problème? Parce qu'on peut aussi considérer que ce n'est pas un vrai problème. Mais si on considère que c'est un vrai problème, qu'est-ce qui est possible de faire? Alors, moi, juste une chose par rapport à ce que tu viens de dire, là, qui me surprend un peu, mais bon, moi, l'expérience que j'en ai, je n'ai pas étudié ça, par contre. Ouais. J'ai une expérience directe, le rapport à mes élèves. C'est vrai que j'ai souvent des élèves qui me posent des questions. Je n'ai jamais eu de copie avec des explications de ce genre. Donc, je suis passé à travers les problèmes directs. Donc, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la façon peut-être dont en amont je discute avec eux de ça? Je ne sais pas quelle est l'explication. Voilà, dans le primaire, c'est peut-être différent. Mais là, tout à l'heure, tu citais des cas d'enseignement supérieur. Moi, j'en ai eu quelques-uns, très peu, mais c'est vrai que ces cas existent essentiellement dans l'enseignement secondaire. Il faut d'accord. Je pensais que tu parlais du supérieur. Non, très peu, c'est marginal. Parce que là, moi, j'ai souvent effectivement des élèves qui me posent des questions, mais bon, j'ai jamais eu aucune copie vraiment bizarre. Et après, comment est-ce que je pense qu'il faut discuter. Et c'est tout. Moi-même, j'ai une culture qui est quand même assez limitée. Il y a plein d'aspects, y compris des théories du complot que je ne connais pas. Il faut s'informer, se renseigner. Et on n'a pas... Si on se présente comme une espèce de détenteur d'une vérité en conserve, vous avalez ça tous les matins et puis vous discutez. Bon, ça ne passe pas. Mais on est dans un univers justement où on peut discuter. Jusqu'où tu peux discuter avec quelqu'un qui est persuadé que... Ça dépend, s'il est persuadé ou pas. Justement, moi, j'ai été... assez peu confronté à ce genre de cas de figure. J'ai eu un élève qui avait des... c'était vraiment un cas très marginal. Il, au bout de 3 mois, il avait quitté l'établissement. Donc, le reste du temps, c'est vraiment des discussions. Il y a beaucoup d'aspects donc ludiques, je le répète. Même je poserai la question d'une manière normative. C'est, est-ce qu'il faut convaincre les gens qui pensent qu'effectivement, qui ont une pensée qui obéit à la définition que tu donnais tout à l'heure de la théorie du complot. Il faut être balèze pour convaincre. C'est pas facile. Je veux dire, sur tous ces sujets-là, il y a quand même souvent aussi il y a toute une part qu'on ne maîtrise pas. On ne connaît pas tout. Ouais. Donc, je pense qu'il faut surtout ouvrir le domaine du doute que celui de la certitude. Parce que c'est celui de la certitude qui verrouille les théories du complot. Donc, je pense que si on est dans un univers ouvert où on peut discuter beaucoup de choses, je pense que c'est plutôt ça le remède, me semble-t-il, que d'opposer à une espèce de vérité hermétique une autre vérité hermétique. C'est d'ailleurs. Mais est-ce que tu ne fais pas aveu de faiblesse en toi, si toi tu te mets à douter, est-ce que tu ne fais pas aveu de faiblesse? Non, c'est juste que de reconnaître qu'on ne peut pas tout maîtriser. Je pense que la meilleure lutte contre les théories du complot, c'est de reconnaître qu'on est dans un monde fondamentalement incertain, rempli d'incertitudes. C'est tout le problème avec une partie de la culture scientifique des années 50, 60, 70. C'est qu'on voulait nous asséner cette idée qu'on était dans un monde de vérité certaine. Ben, on voit aujourd'hui où on en est. C'est pas le cas. Donc je pense que c'est de montrer aux gens qu'on a, c'est à nous de nous construire notre culture et de laisser la place au doute. Alors évidemment, on peut comprendre qu'on aimerait un monde bien balisé, bien sûr, bien stable et tout. Ben, non, il n'est pas comme ça. Ça, c'est justement ce que proposent les théories du complot, quelque part, ce monde certain de lui-même. Parce que dit la théorie du complot? Elle est à la fois dans une sorte de paradoxe entre l'hypercritique et l'infracritique. L'hypercritique, c'est qu'elle doute de tout ce qui fait finalement le minimum d'adhésion qui permet la vie ensemble, mais elle est aussi dans l'infracritique, puisqu'elle doute de tout, sauf de l'existence même du complot. Donc c'est ça, c'est d'autant plus difficile de convaincre. Mais c'est beaucoup plus difficile de convaincre lorsque les théories du complot, elles cherchent à persuader, non pas à convaincre, en jouant sur des affects collectifs, sur des valeurs, des représentations, plus que sur des arguments purement rationnels et formels. Alors pour revenir à la question initiale, c'est comment, entre guillemets, lutter, si tant est qu'il faille le faire, contre les théories du complot? Moi, je crois de façon... il y a trois axes. Je ne les hiérarchise pas, je les mets comme ça. Le premier, c'est celui de la recherche universitaire d'abord. Alors je le mets d'abord, mais ce n'est pas parce que ça me concerne, c'est comme ça. C'est le premier axe parce qu'il permet quelque part de poser un regard lucide, une sorte de diagnostic sur ce qu'est le conspirationnisme. Et justement, ce n'est pas le monsieur qu'on a vu au début tout à l'heure, complètement farfelu, allumé, que les médias aiment bien mettre en avant en disant « Regardez comment ils sont, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ?» Donc, j'espère qu'on a réussi au moins à dire ça ce soir, c'est que le conspirationnisme, c'est vraiment un phénomène politique porté par des acteurs politisés. Donc ça, c'est la première chose. Donc poser ces diagnostics, en discuter, en débattre entre nous, avec des méthodes différentes, avec des disciplines différentes, avec des regards différents, bref, structurer un véritable champ académique.
et aussi ensuite faire ce qu'on vient de faire ce soir, c'est-à-dire faire aussi de la vulgarisation et pas simplement rester à notre tour d'ivoire à se regarder l'ancien de faïence, à se regarder le nombril en disant « Regardez comment on écrit, il est vachement intelligent par rapport à tel qui écrit des bêtises, etc. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, c'est plus le travail des journalistes, c'est-à-dire de montrer quelque part les trucs les plus, les plus extravagants des théories du complot en disant quand même « Regardez, là, il y a quand même des doutes à un moment, il faut quand même faire preuve un peu de distance critique et de rationalité ou de rationalisation de la marche du monde. » Et enfin, moi, je dirais que les organisations de socialisation, les partis politiques, les associations ont aussi un rôle à jouer. Parce que si on repart de ce que je disais au début, ça permet de boucler la boucle, eh bien, vous avez des gens qui sont en appétence de politique, qui se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements et qui voudraient faire changer les choses, qui voudraient s'impliquer politiquement, eh bien aussi à ces organisations politiques, à ces organisations associatives, d'aller vers ces gens-là, et en particulier vers les plus jeunes, pour leur montrer que oui, effectivement, il y a des choses à faire et qu'on n'est pas condamné simplement au conspirationnisme, quelque part. Avant de donner le micro à la salle, je voudrais juste vous poser une dernière petite question qui peut un peu anecdotique, mais bon, qui est à chacun de vous demander quelle est la théorie du complot dont vous aimeriez qu'elle soit vraie. C'est une bonne question, ça. Vas-y, elle est difficile, je te laisse, celle-là. Là, c'est une... Mais est-ce que tu peux dire, par exemple, j'adorerais que, effectivement, Roswell ait existé, quoi. Voilà. Ah, bon, déjà, il y a des théories du complot auxquelles je crois. Ah, vas-y, laquelle, par exemple? Les histoires de... Moi, je suis un fan de l'émission d'Élise Lucet. Elle nous révèle une conspiration à chaque émission. Donc, c'est pas une théorie du complot. Alors. Oui, mais en fait, tu vois, il y a quand même. Oui, je parle pas de petites conspirations. Je parle pas de petites conspirations, de grands trucs, quoi. Une grande théorie du complot. Bah, je souhaite pas la mort des extraterrestres, donc si se crache à Roswell, c'est pas drôle. Mais disons que ça constituerait une preuve assez intéressante, effectivement. Oui. Je serais pas contre l'idée qu'un truc. Mais alors, bon, on va le faire autrement. Vas-y. C'est-à-dire que. Je veux bien Roswell, mais il faut reconstruire le scénario, parce que là, il est un peu bébête. Le coup de la soucoupe, les mecs ont traversé la galaxie, il faut quand même se représenter. Des extraterrestres ont traversé la galaxie dans un truc ultra perfectionné. Le premier cactus dans le désert du Mexique, ils se le prennent de face et ils s'écrasent. Bon, là, il y a un malaise. Par contre, si le scénario est un peu plus complexe, avec une forme d'intelligence extraterrestre, avec un événement qui se déroule à Roswell, qui est... peut-être qu'ils nous ont monté une petite conspiration, les Martiens. Bon, là, je veux bien qu'il y ait quelque chose, mais il faut introduire un peu plus de Stanislas Lem, de Arthur Clarke ou quelque chose comme ça là-dedans, pour que ça soit, ou de Kubrick, pour que ça devienne intéressant. Donc le scénario de base, j'arrive pas à le gober. Mais un scénario plus sophistiqué, je veux bien. Et même les militaires n'ont pas fait gaffe, en fait. Ils ont un truc depuis 70 ans sur les bras et ils ne savent pas dans quel sens on peut l'ouvrir. Ils sont pas très clairs. Julien. Moi, j'aimerais beaucoup, si vous pouvez croire à une seule, que la Terre soit creuse, parce que je déteste passer du temps et transport. On irait tellement plus vite, ça serait super bien. Quand même. Ouais, vieille théorie de la Terre creuse. Ça date de quand, la théorie de la Terre creuse? Edmond Halley avait chez Platon, on a une théorie de la Terre creusée, et les enfers, tout ça. Platon complotiste, pas mal ça. Voilà, le Phédon. Mais sinon, dans les théories scientifiques modernes, Edmond Halley, le copain de Newton, quand même, pas le premier crétin venu, celui de la comète de Halley, avait un modèle de la Terre qui était une série de sphères emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes. Et ça, c'est un modèle qu'on retrouve au 19e siècle avec Sims, qui est un des grands théoriciens de la Terre creuse. Et il faut savoir que la grande expédition d'exploration des mers du Sud, l'expédition Wilkes des États-Unis, a été montée à l'origine par une campagne de Jeremy Reynolds, donc un ami de Sims, et supportée par Edgar Allan Poe, excusez du peu, et qui était destiné à l'origine à aller vérifier et chercher l'ouverture vers la Terre creuse. Et alors? Ils ne l'ont pas trouvé, mais enfin, ils ont trouvé la Terre de Wilkes, qui est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'un bout de l'Antarctique. Et donc, il y a tout un tas de... Comme ça, à l'époque, c'était une théorie scientifique. Ouais. À cette époque-là, c'était déjà devenu une théorie marginale, mais elle a quand même permis des progrès scientifiques. Alors après, à la fin du 19e, début 20e, il y a eu toute une littérature à nouveau sur la Terre creuse. Évidemment, dans les années 50, avec les soucoupes volantes et tout, ça, j'en ai toute une étagère et plein de fanzines. Mais après, ça devient très marginal. Mais c'était une théorie très jolie. Il y a un film qui va sortir, la suite de... comment ça s'appelle, le film de... sur les nazis qui s'étaient cachés sur la face cachée de la Lune, voilà, The Coming Race,
Iron Sky. La suite d'Iron Sky, c'est la Terre creuse. Donc allez le voir. Je ne comprends pas qu'à Hollywood, ils n'aient pas fait un film sur la Terre creuse. Visuellement, c'est tellement beau, Pellucidar. Si, il y a une adaptation de, voyage entre la Terre et Jules Verne. Oui, mais elle est creusée, la Terre. Elle n'est pas vraiment creuse. Ce n'est pas le ballon. C'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est bon, on arrive à des problèmes de distinction entre la théorie de la Terre creuse et la Terre creusée. On va s'arrêter là. Bien, bah maintenant, écoutez, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez nous faire part de quelques interprétations aussi sur les grands événements du monde. Voilà, il y a un micro là, c'est Bernadette qui s'en occupe. Bonsoir, merci pour tout ce qui a été dit. Je voudrais juste faire une petite remarque sur l'image qu'on a en face de nous depuis le début de la séance. L'idée qu'on ne serait pas atterri sur la Lune. Je ne sais pas pourquoi vous n'en avez pas parlé. Vous avez parlé de Kennedy, vous avez parlé du 11 septembre. Alors, est-ce que ça veut dire que cette théorie conspirationniste aura été dissipée par des arguments scientifiques, ce qui a été fait? Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Alors, Elle est toujours reprise, hein, certains milieux, elle est largement reprise, elle est largement exagérée, et ça fait partie de ces théories justement qui polarisent entre les conspirationnistes. Certains disent, bah non, c'est vrai, on est allé sur la Lune, il n'y a pas de souci. D'autres vous disent, mais non, regardez, c'est pas vrai, il y a ce petit film, on voit l'espèce de barre là, qui porte la caméra, qui se casse la figure. Certains vous disent que c'est un vrai, d'autres vous disent que c'est pas un vrai. Donc là, on est véritablement ici dans des effets de champ, des effets de positionnement. Tel ou tel va reprendre sa théorie, soit parce qu'il y croit, soit parce qu'il pense que ça peut lui servir aussi dans son dessin conspirationniste. Mais ça existe toujours, il y a des gens qui sont absolument persuadé aux États-Unis, où il y a certains sites, tous les sites qui parlent du Moon Hoax, comme on appelle ça, qui vous expliquent que non, l'homme n'est jamais allé sur la Lune parce que c'était pas possible, tout ça a été tourné dans un studio à tel endroit, ils vous donnent même une adresse géographique, des coordonnées. Ça continue à faire recette. Hein. Pierre, il y a plusieurs choses sur la théorie du Moon Hoax, enfin le Moon Hoax actuel, parce qu'il y avait un Moon Hoax au 19e siècle aussi, qui était l'histoire d'un astronome, Herschel, qui avait vu les habitants sur la Lune avec un télescope ultra perfectionné. C'est la même époque qu'Edgar Poe. Et alors l'histoire de la conspiration sur l'atterrissage sur la Lune, il y a deux moments, c'est-à-dire que dans les années 50, la théorie c'était qu'on était allé sur la Lune en secret, on cachait la vérité. Et une fois qu'on est allé sur la Lune, on a la théorie inverse qui consiste à dire, bah, en fait, non, tout ça, c'est monté, on n'y est pas allé, on ne peut pas y aller, etc. Alors, il y a un film qui est... Est-ce qu'il y a les mêmes gens ont défendu les deux théories? C'est intéressant. Moi, je n'ai pas dans les noms de... Non, je n'ai pas. Bill Kaysing, qui est à l'origine du Moon Hoax actuel, je ne me souviens pas qu'il soit intervenu avant sur la théorie inverse. Mais c'est amusant de voir comment on a chaque fois une théorie du complot qui dit l'inverse du discours officiel, en gros. Donc, ensuite, bon, c'est des débats un peu comme l'affaire du 11 septembre, sur des tailles de photos, de traces, de choses. C'est tout un travail sur les indices de drapeau. Le drapeau qui flotte, évidemment, il est tenu horizontalement. Mais donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Et puis, des détails techniques qui sont difficiles à réfuter parce qu'il faut bien connaître tout un tas de choses. Alors, l'argument sur ce sujet-là, moi, le premier argument qui me vient, c'est que souvent, en fait, dans ce genre de débat, on se focalise justement sur des détails, sur des photos, par exemple. On oublie que le voyage vers la Lune, c'est des milliers, des dizaines de milliers de gens en réseau qui construisent un univers. Donc la preuve, elle n'est pas sur un détail de photo, elle est distribuée sur un réseau sociotechnique colossal qui a rendu l'événement possible. Donc après, on discute des tas de choses, mais je pense qu'il y a toute une discussion en fait sur l'argument de la preuve. C'est quoi une preuve dans ce genre de discussion? Est-ce que c'est une ombre sur une photo, une histoire de lumière ou autre, ou est-ce que c'est de considérer l'immense réseau qui construit la réalité? Et ça, c'est tout. En fait, il y a un débat de fond philosophique. Il aurait pu avoir été trompé, ce réseau. Pour tromper autant de gens aussi longtemps, alors évidemment, on a... Justement, encore une fois, quand on reprend des débats comme l'industrie du tabac ou autre, on peut se dire qu'il y a des choses qui arrivent à fonctionner suffisamment longtemps. Mais là, il faut analyser chaque affaire de façon particulière, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas ou autre. Et qu'est-ce qu'on a, sur quel point on a trompé les gens exactement. Disons que sur cet aspect-là, la CIA, on voit très bien comment chaque fois qu'ils ont justement monté une petite conspiration,
il y a toujours quelqu'un pour venir raconter ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, ce d'accord. que je disais tout à l'heure, c'est un peu ce décalage de perception entre d'un côté n'importe qui assis derrière son ordinateur qui regarde sur la photo, j'ai aucune compétence particulière en aéronautique, mais bon, c'est évident, c'est un complot parce qu'il y a l'ombre qui n'est pas bien portée, parce qu'il y a le drapeau qui flotte, parce qu'on voit bien que c'est un mannequin, etc., qui est fait dans un studio. Et de l'autre, cette espèce de. Donc cette incapacité des comploteurs à dissimuler le complot, mais de l'autre, leur capacité aussi à maintenir ce contrôle social extraordinaire sur des dizaines de centaines de personnes. Donc là, il y a vraiment un biais logique, je crois, qui permet aussi de. Qu'il faut absolument pointer du doigt. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur ? Oui. Alors, autre. Pardon. Bonjour. Ah, pardon. Bonjour. J'ai une question un peu d'ordre épistémologique, en fait. Une remarque, plutôt. Et j'ai remarqué qu'en fait, face aux idées rationnellement ancrées, j'ai pas l'impression que vous fassiez la distinction entre les idées vraies, les idées originales et les idées absurdes. Et voilà, enfin, c'est une remarque. Si vous avez des critères pour les. Oui, j'ai des critères pour différencier les idées, oui. Par exemple, voilà, enfin, c'est. Par exemple, Pierre est en train d'écrire un livre sur le Yeti. Voilà. Est-ce que le Yeti, c'est absurde ou pas ? Non, par absurde, en fait, j'entends une idée qui est avec un contresens à l'intérieur de l'assertion. Par exemple, admettons que. J'ai un exemple, mais un peu extrême. Sur Dieu transcendant, par exemple. Admettons que le Dieu. On dit Dieu transcendant existe. Dieu transcendant, ça signifie hors du monde. Existe, c'est dans le monde. Donc l'assertion est absurde. C'est ce que j'entends par là. C'est une idée absurde. Alors si on commence à. Oui. Et voilà. Donc, idée originale, j'entends par exemple, admettons, un exemple assez original aussi, c'est les multivers d'Everett. Je ne sais pas si vous connaissez. Les multivers. Les théories cosmologiques. Duke Everett. C'est quoi ? C'est à chaque instant, le monde se ramifie en une infinité d'univers. Ah. Voilà. Ok. Bon, c'est une distinction épistémologique entre les idées, faire une distinction entre les idées fausses, les idées vraies, les idées absurdes, les idées originales. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette distinction dans votre travail. Enfin, si je me permets de. Bah, si je peux répondre, enfin, je vois bien ce que vous essayez de dire. Moi, une partie de mes lectures, c'est l'histoire des sciences, justement. Et ce qu'on voit dans l'histoire des sciences, c'est que, par exemple, un argument qui intervient souvent dans le genre de débat qu'on a, c'est l'objectivité. L'objectivité, c'est une catégorie qui a été inventée. Donc, les choses dont vous parlez, là, ça n'a pas tout le temps existé, ce genre de discours. Il a fallu l'inventer, il a fallu construire. Donne-moi, est-ce que tu peux incarner ça dans un exemple, en illustration Comment dire La pratique scientifique, c'est quelque chose qui est né à un moment donné entre Galilée et Robert Boyle. Et Boyle, notamment, et la fondation de la Royal Society en Angleterre, a construit un univers de pratique et un univers de représentation de la réalité qui n'existait pas avant. Avec l'invention de l'article scientifique, du laboratoire, de l'enceinte du laboratoire, de l'instrument scientifique, du rôle de l'instrument scientifique. Donc il y a des collègues, ce qu'on va appeler des scientifiques, des collègues chercheurs, à l'époque des philosophes expérimentalistes. Donc il y a tout un tas de choses qui sont inventées à ce moment-là, qui pour aujourd'hui, pour nous, relèvent de l'évidence, la pratique scientifique, le fait que quand on fait une expérience dans un laboratoire, elle est représentative d'un pan de la réalité extérieure. Toutes ces choses-là ont dû être discutées, pied à pied, négociées, avant de se mettre d'accord. Le philosophe Hobbes était totalement opposé à ce genre de pratique scientifique. D'accord. Et ça exclut aussi toute une autre catégorie de pratiques qui auparavant appartenaient au même monde de la description de la nature, par exemple, c'est ça ? Notre histoire est remplie de moments comme ça où on a inventé, on a dû collectivement se mettre d'accord sur des choses qui avant ça ne faisaient pas l'humanité, voire n'existaient pas. Des partages entre rationnel, irrationnel, science, pseudo-science sont des partages qui n'ont pas toujours existé, puisqu'à une époque où il n'y avait pas de science expérimentale, ça n'avait pas de sens, tout simplement. Ouais. À l'époque de Paracelse, il y a tout un tas de catégories qui existent pour nous qui n'existaient pas. Donc, ce n'est pas juste qu'il y avait du rationnel et l'irrationnel et que ça s'exprimait différemment, c'est que ça n'existait pas. Donc, alors là, il y a une querelle de fond entre les historiens sur la manière d'interpréter ces choses-là. Moi, j'appartiens à un courant où on prend au sérieux les pratiques et la façon dont on construit le monde. Et ce monde, on le reconstruit constamment. Et donc, on invente. Et ce n'est pas juste qu'on invente, c'est qu'on produit de nouvelles catégories, de nouvelles pratiques qui permettent
d'appréhender. Par exemple, si tu appliques ça à la question de, bon, qui n'est pas une question complotiste à proprement parler, mais qui est par exemple la question de la cryptozoologie et de ce qu'on appelle les animaux imaginaires. Comment tu appliques ça, cette question, ce que tu viens de dire, la question des animaux imaginaires? Ça veut dire que... Oui, vas-y. Aujourd'hui, on a... si je vous parle du monstre du Loch Ness, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui pensent peut-être qu'il existe, mais c'est une question extrêmement problématique du point de vue de la zoologie. D'abord parce que le Loch Ness, il fait 33 km de long, il est profond, mais pas sans fond, qu'il faut une famille de bestioles pour qu'il survive depuis autant de temps. Donc il y a tout un tas de problèmes qui se posent à la survie et à l'existence de ce genre de créatures. Pour le Yeti, on a des zones en Chine, au Népal et autres, qui sont suffisamment sauvages pour qu'on puisse imaginer une famille de orang-outans, par exemple, inconnue. Là, ça pourrait coller. Mais le Bigfoot nord-américain, où on signale des Bigfoot dans la banlieue de Cleveland ou de grandes villes américaines, je veux bien, dans les forêts, les montagnes du nord-ouest des États-Unis, il y a des coins très sauvages. Mais c'est quand même une nature qui a été domestiquée. La notion de parc naturel, elle est née aux États-Unis. Et ce n'est pas un phénomène, ça montre à quel point la nature est justement domestiquée. Donc moi, j'ai plus de mal avec le Bigfoot. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte dans le temps avec les dragons, les licornes, tout, nous, pour nous, tout ça, c'est l'imaginaire. Au Moyen-Âge, c'est la réalité. Parce que la manière de constituer les catégories du monde animal ne sont pas les mêmes que nous. Les systèmes de preuves ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je veux dire... Pour analyser ce genre de problème, il faut aussi se plonger dans ces manières différentes qui existent chez nous aussi, entre les différentes cultures, les différents groupes sociaux et tout, de construire la réalité. On n'est pas dans un monde où la réalité existe juste sur le plan scientifique, avec des arguments scientifiques, logiques, rationnels, rationalistes, mais on est aussi dans un monde économique, dans un monde politique. Mais la religion intervient, on passe tout le temps d'un monde, et notre mode d'appréhension du réel quotidien, c'est la rumeur. C'est pas la science, c'est pas la méthode scientifique. Si on veut appliquer la méthode scientifique à toutes nos discussions, on n'est pas sorti de l'auberge. En compte, les ressources qu'il faut mobiliser pour faire de la science. Mais est-ce que du coup, tu n'as pas peur en disant ça, d'ouvrir une énorme brèche relativiste en disant, bah voilà, après tout, comme c'est un monde de rumeurs, comme les catégories avec lesquelles on analyse le monde sont construites et historiquement construites, etc. Oui, mais... après tout, pourquoi pas ne croire qu'on est allé sur la Lune ou pas, on s'en fout. Enfin, tout ça, c'est... Non, le problème, c'est qu'évidemment, quand on oppose un monde construit à un monde donné, réel, là, il y a un problème, parce que construire, ça veut dire c'est artificiel, c'est du rêve. Ça veut dire que si moi, je veux voler, je me mets une cape rouge et une tenue rouge et bleue, et puis je saute par la fenêtre. Ouais. Non, vous êtes gentil, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas essayer de tester le relativisme de cette façon-là. Non, le relativisme, c'est une méthode. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supposer de différence a priori si on veut comprendre les différences. Par contre, le réel résiste. Le réel, c'est ce qui résiste. Enfin, il résiste. Dans le cas des animaux, par exemple, quand tout à coup tu découvres en 92 dans la forêt vietnamienne un croisement de zébus et d'antilopes qu'on pensait être un animal imaginaire, il résiste pas toujours, le réel. Il résiste dans la mesure où il y a quelque chose sur lequel on bute. C'est pas juste de si c'était l'imaginaire, justement, le réel résisterait pas et ça serait vide. D'accord. On tombe sur quelque chose qui nous tient tête. Nessie, il résiste pas bien. Nessie, on peut le traiter de tronc d'arbre qui surgit du Loch Ness, il ne va pas venir nous contredire. Le couperet, justement, ou d'autres animaux qui ont été découverts récemment, sont venus porter la contradiction. Ouais. Mais là aussi, partout, qui dans cette salle a vu ce genre de bestiole? Personne. On a vu des photos, on a lu éventuellement pour certains d'entre nous des articles scientifiques, mais la plupart du temps, notre information est très lacunaire. Mais notre monde, notre réalité est construite de choses qui sont plus ou moins sûres et qui... Et c'est ça, et c'est ça qu'on en partage. Autre question. Alors, il y en a plein. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous ai vu. Oui, il est là. Question très pratique. Comment on se positionne face à des amis qui croient aux théories du complot ou des membres de la famille? On les vire de notre page Facebook. On sent le type qui sort... c'est ça. Pardon, t'as dit quoi? On les vire de notre page Facebook. On sent le type c'est qui peut-être un peu radical famille, comme quoi. Solution, mais le conseil pratique, c'est difficile parce que, comme on disait tout à l'heure, ça dépend de... Il y a une différence de degré. S'il est absolument persuadé que les reptiliens contrôlent tout le monde, vous allez avoir du mal à lui faire accepter que ce n'est pas vrai. En revanche, s'il se pose des questions, eh ben, il faut essayer de l'accompagner sur ce cheminement de questions en disant « Écoute, on en discute, mais surtout, mets-toi dans une démarche authentiquement de recherche et scientifique, c'est-à-dire multiplie les sources d'informations, multiplie les points de vue contradictoires. Au lieu de toujours aller dans les mêmes directions, prends le temps aussi de regarder, de te dire est-ce que ça me paraît a priori avoir un sens? Est-ce que ça me paraît être possible ou au moins, j'allais dire,
potentiellement réalisable. Il faut vraiment prendre le temps, ne pas aller trop vite et pas sauter en besogne de l'article de tel qui renvoie à la vidéo de tel. Et ça aussi, c'est un des problèmes d'Internet, c'est-à-dire qu'avec les chaînes de liens, c'est quasiment infini. Tu vas sur une vidéo conspirationniste, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis au bout d'un moment, tu as un tas de petits trucs qui s'accumulent, qui vont faire que bon, bah ouais, c'est pas possible. Quoi. C'est donc vraiment essayer de l'aider, s'il n'est pas trop tard quelque part, de lui dire, regarde, on va discuter, on va regarder, essayer de lui présenter d'autres arguments. Oui, mais d'autres si c'est sources. Lui qui essaye de m'aider. Comment ça? Si, parce que c'est, parce c'est lui qui n'est pas dans la vérité, c'est l'autre qui est dans la vérité, donc c'est lui qui faut. Ah, dire. J'avais pas compris ça comme ça. Et bah, c'est qu'il est généreux. Il faut lui dire merci, c'est un bon ami. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question qui naît d'abord d'une observation, c'est que j'ai l'impression que quand on parle des complotistes, c'est souvent des groupes de gens qui sont plutôt sympathiques et assez inoffensifs. Alors, je ne généralise pas, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le Loch Ness, on marche sur la Lune, enfin, en tout cas, ce n'est pas des gens qui sont dangereux pour la société. Est-ce qu'on peut imaginer un futur où, finalement, les complotistes ont accès à plus de moyens? Si je peux poser la question un peu plus cash, est-ce que finalement, aujourd'hui, un groupe comme, par exemple, l'État islamique, ce n'est pas les mêmes mécaniques que les complotistes, mais avec de l'argent et des armes? Disons qu'effectivement, la question, elle est celle-là. Est-ce qu'ils sont dangereux ou pas? C'est toujours la même c'est toujours la question qu'on pose. Est-ce qu'ils sont dangereux parce qu'ils sont ou pour ce qu'ils sont? Ou est-ce qu'ils sont dangereux une fois qu'ils sont au pouvoir? C'est toujours la même question. Après, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'il faut combattre une idée, une idéologie, une perception? En l'occurrence, c'est plutôt un mythe qu'une idéologie, mais... Ou alors, est-ce qu'il faut attendre qu'il soit au pouvoir, donc suffisamment puissant? Ça, c'est toujours la question qu'on peut poser. Et peut-être juste un truc sur l'État islamique. L'État islamique rejette les théories du complot. Ils combattent les théories du complot. Sur leur petit journal, sur leur page internet, ils disent « Non, non, attendez, les gars, Charlie Hebdo, c'était bien nous. Hein. Les gars, le 13 janvier, c'était bien nous. Ne croyez pas aux théoriciens du complot, ne soyez pas bêtes. Hein. » Eux-mêmes sont en compétition avec les théoriciens du complot qui leur retirent finalement leur gloire et leur fait d'armes. Donc eux sont vraiment aussi en train de mener une lutte à leur échelle et un peu paradoxale contre les théories du complot. Mais qui est un autre complot, du coup, enfin, qui pourrait être vu comme un autre complot, enfin, en simplifiant un peu, mais qui est que eux contre le reste du monde. Ils imaginent aussi des complots. Oui. Ça c'est sûr, ils imaginent aussi des complots, mais par contre, quand ils sont responsables d'actes, ils veulent vraiment qu'on leur attribue la paternité et pas qu'on dise non, bah, en fait, c'est les services machin. Ils disent bah non, attendez, non, non, c'est nous, hein, c'est vraiment nous. Dans les histoires sur Roswell, par exemple, sur lesquelles j'ai beaucoup enquêté, la plupart des ufologues avec lesquels j'ai eu affaire, y compris ceux qui ont. Dont je dirais qu'ils ont des théories un peu loufoques, c'est des gens qui sont tout à fait normaux, avec qui on discute, même si on s'engueule, je veux dire, on s'engueule avec des tas de gens sans avoir envie de légiférer. D'accord. Aux États-Unis, il y avait une petite faction de gens qui venaient des milices d'extrême droite, qui est un univers assez particulier, qui ont récupéré ce genre de théories, et là, évidemment, ont rentré dans un autre univers, un univers de type qui sont en fricote avec le néo-nazi ou le Ku Klux Klan, des trucs de ce genre. Donc là, évidemment, ils sont tout de suite beaucoup moins sympathiques. L'un d'eux, d'ailleurs, a été abattu par le FBI, parce que, je ne sais pas, un jour, ils sont venus vérifier je ne sais pas quoi, il les a accueillis à coups de fusil, et il s'est fait désinguer. Donc, bon, évidemment, on trouve ce genre de personnes. Mais le vrai problème, en fait, sur ce genre de débat, et aujourd'hui d'autant plus, parce qu'avec la transformation qu'Internet a apportée à cette discussion, la caisse de résonance que ça lui a donnée, l'introduction de nouveaux acteurs, de toute une nouvelle répartition de l'information, du discours et tout. Moi, j'ai du mal à faire la part des choses entre le fait que pour beaucoup d'entre nous, c'est un univers de discussion qui n'a pas de raison de ne pas avoir lieu, c'est normal de débattre, et le fait qu'il y a des petites marges de types qui sont de vrais frappadingues, éventuellement inquiétants. Et c'est très difficile, et beaucoup, l'attention majoritairement se porte sur les frappadingues, je dirais. Et moi, je pense qu'il est important aussi de voir que dans ce genre de débat, il y a un aspect sain pour la démocratie et qu'on ne peut pas rejeter, mais à condition d'être relativement d'accord sur le fait qu'on a tous le droit au débat et d'amener ses arguments et qu'il n'y a pas une espèce de figure paternaliste de l'autorité et tout. Et c'est difficile. C'est vrai qu'aux États-Unis, ce genre de débat se passe différemment de la façon dont, en France, on va légiférer sur certaines questions, le négationnisme ou autre, on légifère. Aux États-Unis, non. Et donc, il y a un débat dont on n'est pas sorti sur ces questions-là, et sur les théories du complot, et sur la manière de les gérer.
Donc, je pense qu'il faut essayer de l'alimenter de la façon la plus raisonnable possible. Mais c'est sûr, il faut quand même établir cette différence de degré dont on disait tout à l'heure. Il n'y a absolument aucun, à mon point de vue, intérêt à vouloir interdire par une loi, par un décret, par une dissolution, une association comme Reopen 9-11. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue, ils le proposent, leur argumentation me semble extrêmement faible. On peut en discuter avec eux, il m'arrive d'en rencontrer. Bon, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde ici, ce n'est pas grave. Mais bon, on discute, il n'y a pas de problème. On arrive quand même à se mettre d'accord sur un minimum de choses, on peut discuter, on n'est pas d'accord, on échange des arguments, mais effectivement, là où on tombe sur des types, comme tu disais, que tu appelais les frappadingues, comme des gens du groupe White Iron Resistance aux États-Unis, qui agressent des juifs à coups de hachoir dans la rue parce qu'ils sont absolument persuadés qu'ils sont alliés aux Afro-Américains pour mener une conspiration dans tout le pays, que vous avez des gens comme Tom Smetzger qui anime un blog qui s'appelle Lone Wolf, où il explique tout le temps en son émission de radio qu'un jour il va prendre les armes, qu'un jour il va rentrer dans une école, qu'il va buter tout un tas de petits noirs ou tout un tas de petits juifs. Là, on est vraiment dans des choses différentes, donc il faut vraiment faire attention à la différence de degré. Et effectivement, le curseur n'est pas aussi aisé que dans ces cas extrêmes à placer toujours. Autre question, madame. Oui, bonsoir. À vous entendre, j'avais envie de poser la question. Est-ce que vous voyez les religions comme des conspirations? L'histoire du prophète qui dit raconter qu'il a reçu la parole divine et... je sais pas, il y a... Je me souviens avoir une discussion avec un astrophysicien, professeur au Collège de France, quand j'avais sorti mon livre sur l'affaire de Roswell. Et il m'avait demandé pourquoi est-ce que vous pensez que ce complot n'a pas eu lieu. Et ma réponse était de dire qu'il me semblait difficile de maintenir un secret aussi hermétique pendant tant de temps. Et là, il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je lui ai dit, pourquoi? J'étais assis. Et il me dit, mais l'Église, avec Galilée, a monté une conspiration qui a tenu depuis beaucoup plus longtemps pour cacher la vérité sur l'état du cosmos. Et là, je me suis dit, de quoi il parle? Et en fait, son idée, c'était qu'il y avait effectivement, l'Église avait maintenu volontairement l'ignorance pendant des siècles et ensuite combattu Galilée parce qu'il amenait la lumière dans l'obscurité. Alors là, évidemment, on est dans une conception d'une espèce de choc de civilisation entre la religion et la science sur lequel les historiens des sciences auraient beaucoup de nuances à apporter. Donc, quand on rentre dans ce genre de discussion, ça devient très difficile parce que, effectivement, si, y a toute une époque de débat qui a amené à la loi sur la séparation de l'Église et de l'État et tout, où il y avait des débats extrêmement tranchés entre le complot maçonnique de l'autre, le complot de l'Église de l'autre. Ce sont des moments historiques importants. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un monde, j'espère, plus apaisé, quoique bon, et où on peut reprendre l'histoire des religions, l'histoire de l'Église au Moyen-Âge et tout, montrer qu'elle a porté beaucoup plus de savoir qu'on souvent on le croit et on le dit quand on réduit le Moyen-Âge à une époque, un trou noir sans fond. Donc je pense que le débat sur ces questions-là, ça commence aussi par cette volonté de replacer les choses dans leur histoire et d'éviter justement des catégories comme... alors là, c'est une vraie théorie du complot, c'est la théorie du complot obscurantiste contre la raison. Il y a quelques rationalistes un peu extrêmes qui pensent que, justement, il y a un complot contre la raison permanent qui consiste à, pour les pouvoirs alliés aux journalistes, hein, t'es concerné, qui cherchent, qui préfèrent que les gens lisent leur terme astrologique dans les journaux plutôt que d'aller voter. Bon, je pense que c'est une théorie qui est quelque part aussi bête que celle des reptiliens. Mais est contredite par l'histoire même de la religion, parce que, par exemple... Le fait de virer des évangiles considérés comme apocryphes parce qu'ils mentionnent des dragons, etc., machin, c'est la construction d'une religion rationnelle, en quelque sorte. En fait, oui, mais le point de départ, c'est la figure du prophète qui raconte qu'il a reçu la parole divine, alors quand même, bon, ça, on peut quand même aussi... Je sais pas. Il y a aussi cette... Je ne serais pas si catégorique que vous. Pas vraiment où il y a conspiration. Il peut raconter ce qu'il veut, ce prophète. C'est pas une affabulation individuelle, simplement. Je n'avais pas forcément complot. Moi, je peux vous dire très bien que j'ai rencontré la Vierge Marie hier matin en descendant acheter mon pain. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est pareil, mais je ne vois pas où est le complot, en fait. Je peux vous dire juste qu'il a un problème, celui-là. Dans l'Ancien Testament, on a le même genre de choses. La révélation divine, c'est un mode d'accès au réel qui a été... Pourquoi est-ce qu'il vous semble si étrange? Parce que il ne me semble pas que
les faits étaient enregistrés de manière scientifique où on pourrait être absolument certain que les prophètes aient effectivement reçu une parole divine. Pour les gens qui ne croient pas, c'est une fiction aussi. Déjà, il faut croire aux prophètes. Et puis, la croyance populaire, la croyance collective n'est pas nécessairement réductible au complot. Attention. Non, mais disons que ça peut susciter ce même type de doute. C'est pour ça que je n'ai pas dit que c'était conspirationniste ou pas, mais il me semble qu'il y a finalement... Oui, mais il se trouve qu'à l'époque de Mahomet, comme d'Abraham ou autre, les moyens d'enregistrement étaient un peu limités. Bah oui, c'était la mémoire, c'était des traces écrites et tout. Et même à notre époque, par rapport à ce qu'on sera capable de faire dans quelques siècles, on pourrait en remettre en question pas mal de choses que nous tenons pour acquises. Je pense que chaque époque, chaque culture a encore une fois une manière de construire collectivement le réel. Et on se rend compte que, bon an, mal an, ça ne tient pas trop mal. Donc, ça veut dire que ce n'est pas complètement inefficace. La religion, comme d'autres systèmes, a permis de maintenir non seulement la société, mais le réel pendant longtemps. Alors moi, je ne suis pas particulièrement religieux, je suis plutôt agnostique, mais je pense que ces choses-là, il faut les remettre dans leur contexte. Et c'est vrai que le prophète, on ne peut pas l'appréhender avec nos outils scientifiques modernes, parce que là, on est hors du cadre, pour le coup. Alors, autre question. Il y en a. Ouais. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur à propos des médias. À chaque fois, quand on parle à des personnes qui sont sensibles à ces théories, pas forcément complotistes, mais qui les prennent en compte, elles parlent souvent de l'information en continu, de BFM et tout ça. Et dès qu'elles vont sur Internet, en fait, elles font référence aussi de complotistes, alors que ces mêmes médias et d'autres ont aussi, sont aussi très présents sur Internet. Et ma question, c'est pourquoi, comment ça se fait que sur Internet, ces sites-là arrivent à atteindre une crédibilité parfois plus forte que celle des médias traditionnels? Disons que vous ne l'ignorez pas, il y a déjà un grand déficit structurel de crédibilité dans les institutions, les médias, les institutions de socialisation, les églises, que sais-je encore. Et le problème qui se passe, c'est que vous avez un événement comme les attentats justement de janvier, ça crée une sorte de moment d'incertitude, de trouble. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le moment même. Et ces moments-là sont extrêmement propices et générateurs en formulation de rumeurs ou de théories du complot. Et là où les médias devraient faire très attention, les médias officiels, j'entends, c'est de ne pas participer de ce nivellement épistémologique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'ils sont dans une course permanente, les uns avec les autres pour le scoop, l'exclusivité, de ne pas balancer un truc comme ça et de le retirer 5 minutes plus tard. Il y a déjà ce déficit structurel de confiance. Et à un moment où leur parole est peut-être la plus nécessaire et la plus attendue pour combler le vide, pour combler cet espace social qui souffre, cet espace social favorable aux rumeurs et aux théories du complot, eux-mêmes se jettent dans quelque chose qui peut mettre sur le même plan le vrai et le faux, la rumeur et l'information, entendu par là, information vérifiée, recoupée, certifiée, enquêtée. Eh bien, eux participent de ce mouvement-là en disant « Regarde, il y a 10 minutes, ils disaient ça, maintenant ils se retirent, donc c'est qu'ils disent n'importe quoi, ils sont encore moins crédibles que ce qu'on pouvait penser. » Donc ça, c'est une première chose, il faut qu'ils fassent très attention. Et de manière plus générale, ça c'est ce que je disais, ce nivellement épistémologique, on le voit aussi dans la multiplication des rubriques « off », « chute » dans les journaux, la télé, dans les radios, la Marocanard, etc., où finalement l'information est placée exactement sur le même niveau que la rumeur. Et ça participe aussi de ce nivellement entre ce qui est vrai, certifié, sûr, et ce qui est du domaine du plausible, du domaine du chuchoté, du peut-être. Et donc pas du vérifier. Et donc ça, c'est très important. Je crois que les médias là-dessus ont un travail aussi à faire d'interrogation sur leur propre pratique. Ça, je peux me paraître très important. Juste pour ajouter 2-3 trucs, c'est vrai que tout ça se fonde aussi, l'espèce d'impression qu'on va avoir sur Internet, une parole alternative à une parole... un discours entendu et figé de la réalité, elle a utilisé comme brèche aussi des vraies faillites de traitement médiatique. Par exemple, le cas du référendum pour la Constitution européenne est un cas très emblématique d'énormes faillites des médias. C'est-à-dire que les grands médias français ont mis un temps incroyable à accueillir une parole qui pouvait être alternative à celle du oui qui était portée par l'ensemble des politiques à part les extrêmes en France et de tous les grands médias, et que c'est sur Internet
qu'est née une parole alternative et experte à ce oui qui était défendu par tout le monde de la Constitution européenne. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui a énormément participé à l'idée qu'il pouvait y avoir sur le net une parole alternative, etc. Bon, donc, il ne faut pas négliger effectivement le rôle des médias. Et par ailleurs, mais aussi autre chose, c'est-à-dire que c'est la faillite de la critique des médias qui est... C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, moi j'ai l'impression que dans une part du discours complotiste, il y a une sorte de radicalisation un peu figée, un peu dingue, disons, à des moments, d'une critique des médias qui, par ailleurs, est tout à fait acceptable. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les médias ont un rapport compliqué à leurs actionnaires quand ils ont des actionnaires, à la publicité qui parfois peut engendrer des modes de traitement qui sont très problématiques, etc. Et qu'en fait, dans cette branche-là, qui est une critique tout à fait fondée des médias, il y a parmi les journalistes des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui relaient la parole du pouvoir sans l'interroger, etc., évidemment. Hein. Mais qu'en fait, là-dedans, si vous radicalisez, si vous systématisez, etc., vous arrivez effectivement à scinder entre des médias qui sont par définition, par essence et dans tout leur fonctionnement mauvais et qui transmettent une parole qu'on leur a dictée, etc., machin, contre des lieux alternatifs qui sont, eux, toujours bons, toujours lucides, toujours, etc. Alors que par ailleurs, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que moi, je me demande toujours quels sont les moyens d'enquête de certains discours complotistes sur Internet. C'est-à-dire que nous, par exemple, qui pouvons payer pendant 6 mois, enfin, on ne peut pas le faire malheureusement à Rue 89, enfin, il y a des endroits qui peuvent faire ça, c'est-à-dire payer pendant 3 mois quelqu'un à enquêter sur un truc, et je me demande comment quelqu'un qui a un boulot et produit une vidéo comme ça, machin, arrive à ce niveau, alors que nous, on voit bien que quelqu'un qui a fait enquêter pendant 6 mois arrive à détecter 3 preuves, etc. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, le truc de base, c'est juste que... sur Internet, hein, le gars de Panamza, c'est ça. C'est comment? Le site Panamza, c'est ça. Ils restent juste derrière leur ordinateur, ils c'est enquêtent ça. Depuis chez eux, ils font rien d'autre. Hein, c'est... Ah, bon, mais c'est vrai que la question quand même de la faillite d'un discours médiatique, de la construction des médias, etc., elle est à interroger, évidemment, aussi. Juste, là, c'est vraiment une opinion, mais pour ce genre de problème, c'est vrai qu'Internet a encore accéléré la circulation de l'information. Et je pense que la réponse à ça, c'est au contraire de ralentir. C'est-à-dire qu'il y a besoin de ce que certains journalistes appellent du slow journalism. C'est-à-dire, et sur les questions scientifiques, sur les questions politiques et tout, on a besoin de plus en plus maintenant de se donner du temps pour analyser des situations. Être capable, les gens qui sont capables de réagir sur l'instant et d'avoir une opinion éclairée, comme on le voit dans pas mal de débats, moi, je leur tire mon chapeau parce que je suis incapable de faire ça. J'ai besoin de brasser des milliers de pages avant de pouvoir dire un mot sur un sujet. Et je me demande comment font ces gens qui ont une opinion sur quasiment tout, sur l'instant. Donc, je crois qu'on a besoin de... Vu les moyens d'information dont on dispose, paradoxalement, on a besoin justement de prendre plus de temps et de ne pas donner en urgence des réponses. Parce que c'est ça qui favorise cette espèce d'inflation de discours dans tous les sens. Autre critique du fast thinking, elle a déjà été faite largement hein, par les études sociologiques classiques, donc y a pas de... les outils existent. Hein. Alors, quelqu'un ? Oui, en fait, j'ai une question sur... je voudrais savoir si vous pensez que certains complots dans des mythes fondateurs, dans les religions notamment, ont un impact sur le conspirationnisme contemporain. Par exemple, dans l'histoire du christianisme, il y a tout le temps des récits sur des hérésies qui auraient infiltré l'Église ou qui tenteraient d'infiltrer l'Église, comme les gnostiques, les judaïsants, par exemple. En islam, on a le récit comme quoi le chiisme aurait été inventé par un juif faussement converti. Est-ce que vous pensez que ça crée un terreau fertile au conspirationnisme contemporain, qui serait finalement qu'une... au moins partiellement une version sécularisée du conspirationnisme religieux ou mythique? Oui, effectivement, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que le conspirationnisme, il va toujours stigmatiser, je le disais tout à l'heure, désigner un bouc émissaire. Le responsable du complot, c'est une minorité, mais une minorité qui est assez puissante. Et cette minorité, on la stigmatise, pas simplement pour dénoncer l'extérieur, mais aussi pour pouvoir se raffermir soi-même en tant que communauté. Ce qu'on appelle l'effet Winston-Prava. C'est-à-dire que dans la sociologie des rumeurs, Elias, Stockton et Aldrin ont montré comment le commerce des rumeurs, et là pour le coup il serait plutôt les théories du complot en tant qu'agir communicationnel, permettent quelque part de rassembler une communauté en stigmatisant des comportements déviants, halogènes de nouveaux entrants ou de nouvelles pratiques pour quelque part souder la communauté originelle, la communauté existante. Donc on voit ici une fonction de rassemblement et de mobilisation. Resserrons-nous par rapport à l'ennemi.
resserrons-nous nous-mêmes par rapport aux pratiques vertueuses. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de très commun et de très courant dans les mythes conspirationnistes et les théories du complot. T'as quelque chose à ajouter, Pierre ? Non ? Oui, bonjour. Bonsoir. Donc j'aimerais savoir où vous placez dans ce chaos de l'information des théories du complot qui n'en sont plus aujourd'hui, comme des guerres factices en Irak ou le fait que les industriels qui produisent et vendent le fluoride l'utilisent également comme mort aux rats. Donc voilà, selon moi, c'est juste que tous ces complots ne parlent que d'une élite sacrifiant des masses pour des intérêts personnels. Et donc voilà, des informations déclassifiées comme ça depuis un moment, j'aimerais savoir où vous les... Vous voulez placer du coup Il y a deux façons d'aborder ces dossiers. Soit effectivement on enquête pour évidemment l'histoire de la CIA, de l'armée et tout sont pleins de révélations, de choses qui avaient été niées. Donc on a appris énormément de choses. Soit évidemment on fait le tri à partir de l'information dont on dispose au fur et à mesure sur tout un tas de choses qui sont révélées. Soit l'autre approche, alors qui est moins dans le débat public, mais qui est effectivement de comprendre l'évolution des catégories, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce terme théorie du complot, dans la mesure où ça peut s'appliquer à certaines choses qui, à certains moments, vont franchir la barrière de la fiction vers la réalité. Donc là, il y a toute une réflexion à conduire sur toutes ces catégories qu'on utilise dans le discours courant, qui servent quand même plus ou moins à stigmatiser certains discours, et où on voit que l'histoire parfois peut nous contredire dans ce qu'on pensait vrai ou faux. Ça veut dire qu'il faudrait utiliser d'autres termes ou d'autres catégories ? Je ne sais pas, car en sociologie, du point de vue de l'analyse sociologique, tous les termes de croyance, de rationnel, irrationnel, de pseudo-science, de théorie du complot et autres, sont des termes qui ne peuvent pas être des explications des catégories sociologiques, puisque ce sont les catégories des acteurs. Ouais. Le travail du sociologue consiste justement à décrire la manière dont des acteurs, quels qu'ils soient, nous y compris, construisons le monde. Donc il faut prendre la distance, et d'abord prendre de la distance avec ce qui nous semble le plus évident. Sinon, on ne fait pas son travail. Sinon, on est dans l'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'il y a là, une base de réalité qu'on considère comme stable, indiscutable, et tout le reste, c'est fluctuant de la croyance et tout. La sociologie a longtemps fonctionné là-dessus parce qu'elle est l'héritière des Lumières, donc de la construction du partage entre la physique, les sciences dures, et justement les sciences, le folklore, les sciences sociales. Aujourd'hui, on est passé à une autre époque où ce genre de catégorisation a été remis en question, depuis qu'on fait de la sociologie et de l'histoire des sciences, justement. Mais d'un mot, dire qu'il existe des lobbies, des groupes de pression, des groupes d'intérêt, c'est pas faire du conspirationnisme, c'est des choses différentes. De la même manière de dire, il y a eu une guerre en Irak qui a été poussée par certains lobbies en conséquence du 11 septembre, à la suite des attentats du 11 septembre, c'est pas du tout la même chose que de dire que la guerre en Irak a eu lieu parce que ces mêmes groupes d'intérêt ont construit eux-mêmes le 11 septembre pour pouvoir s'accaparer les richesses de l'Irak. Vous dites, oui, il y a eu le 11 septembre et certains groupes ont profité pour avancer leur bif, faire avancer leur pion, mais ça, c'est malheureusement tout le temps, dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a une catastrophe, vous avez toujours des gens qui vont en tirer profit. Ça, c'est évident. Mais à l'inverse, c'est pas la même chose de dire que ces groupes-là ont orchestré le 11 septembre pour pouvoir aller vers la guerre en Irak. Ce sont deux choses différentes, c'est quand même deux constructions très différentes, il faut faire attention à ce dont on parle. Oui, juste un petit truc. Dans le débat, moi je vois le débat en 2002, quand il y a eu le livre de Thierry Messant, suivi par le début des révélations d'anciens du FBI ou autres, qui expliquaient comment ils avaient essayé d'alerter la Maison-Blanche sur ce qui se préparait, et on les avait envoyés balader. Là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que c'est vrai qu'avec le recul, on construit des partages assez clairs entre eux, ce qui est le moment où on délire, le moment où... Mais sur le moment, c'est très flou. Tout ce moment de 2002 où à la fois Thierry Messant publie son livre, on commence à discuter certaines choses dans les médias, parce que ça circulait avant, mais il y a cette espèce d'explosion avec l'émission d'Ardisson à l'époque, et des révélations qui alors sont prises très au sérieux par les médias sur d'anciens, des agents du FBI et tout, qui font tout un tas de révélations inquiétantes sur la manière dont la Maison-Blanche fonctionnait, son système d'information, qui a permis... Là, il y a une discussion très, très intéressante, parce que... Et alors, je ne parle pas des armes de destruction en Irak et tout, qui ont permis d'associer les attentats du 11 septembre et Saddam Hussein, où là, on a une espèce de complot d'État.
Mais là, on voit que tout un tas de choses que nous, on a tendance à nuancer, du point de vue du débat public, ces catégories ne sont pas aussi tranchées. Et ça montre à quel point c'est flou, la question de qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'on peut tout à fait comprendre que, du coup, on puisse s'interroger sur certains événements, vu ce qui s'est passé dans d'autres domaines. Bien sûr, c'est ça. C'est pas illégitime. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que, évidemment, il y a eu des défaillances, des ratés en septembre. S'il n'y avait pas eu de défaillances de la part de l'État, s'il n'y avait pas eu des manquements, des ratés, il n'y aurait pas eu en septembre. Mais ces manquements-là, les conspirationnistes ne veulent pas les voir. Pour eux, ça ne peut pas être des manquements, ça ne peut pas être des faiblesses, ça ne peut pas être, j'allais dire, conjoncturel, genre un type qui sera arrivé en retard. C'est parce que ça a été voulu sciemment. C'est ça qui est différent. Il y a une. Quelqu'un lève le bras de manière très énergique depuis tout à l'heure derrière vous. Et je voudrais que récompenser cette personne pour sa persévérance. Voilà. Bonsoir. Et salutation de l'épaule qui va suivre. En fait, je voulais vous demander si est-ce que les complots est-il un besoin ou une stratégie pour réinventer un monde nouveau. Alors, vous pensez à quoi, comme disait le sketch de Coluche. Pardon. Vous pensez à quoi, par exemple, vous avez. Ah, je sais pas, je demande. Comment? Ouais. Je me demandais à quoi vous pensiez. Personne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Attends, on essaye de juste de comprendre. Oui, en fait, moi, donc, comme déjà dans les complots, il y a la notion de manipulation ou de ces stratégies de manipulation idéologique. Est-ce que l'effet de. De parler du complot, du coup, c'est un besoin pour que. Ou une stratégie à nouveau pour qu'un monde nouveau, il renaît ou il naît. Ou, d'accord. Je ne sais pas si j'arrive à. Mais... Ce que vous dites est juste, c'est vrai qu'il y a chez certains, parfois, un recours stratégique à la théorie du complot comme argument politique. Et on trouve ça notamment dans certains groupes radicaux afro-américains, type Nation of Islam, par exemple. On va vous expliquer que, dans des manuels d'éducation pour les jeunes afro-américains, on vous explique, sur des questions extrêmement rhétoriques, comment se fait-il qu'il y ait autant d'afro-américains en prison? Comment se fait-il qu'il y ait autant de pauvres? Comment se fait-il qu'il y ait autant, pour une minorité, d'atteints du sida? Et on vous pose la question, est-ce que c'est le hasard, le fruit de l'histoire, ou alors un complot? Et effectivement, il y a un usage du complot, non pas qu'ils y croient sincèrement tous, certains y croient véritablement, mais pour d'autres, c'est bien plutôt un moyen de faire prendre conscience collectivement à la communauté de ses propres faiblesses, de ses propres, manquements, de ses propres difficultés, et aussi de lui dire, maintenant, puisque l'extérieur est contre vous, ayez vous-même les moyens de vous défendre en devenant vous-même les acteurs de votre propre ascension sociale, en ouvrant des commerces des Noirs pour les Noirs, en ayant des restaurants des Noirs pour les Noirs, en louant vos loyers à des Noirs, etc. Donc une sorte d'instrument de mobilisation politique. Et on trouve ça aussi un petit peu dans la rhétorique du complot chez Hugo Chavez au début, pas à la fin. Quand il est arrivé au pouvoir au Venezuela, il avait regardé et tout, il faut absolument qu'on reprenne nous-mêmes nos moyens de production parce que les Américains se les accaparent à notre profit exclusif. Alors effectivement, après, ça part dans des délires conspirationnistes absolument incroyables. Mais au départ, il y a quand même une volonté d'utiliser ça comme un ressort politique parmi d'autres pour pouvoir activer, un ferment d'identité nationale ou d'identité collective. Ça joue effectivement parfois. Alors, monsieur, ça fait depuis tout à l'heure que vous levez le doigt aussi de manière énergique, donc va vous revenir l'insigne honneur et en même temps responsabilité de poser la dernière question. Donc elle a intérêt à être vachement bien. Et ben pourtant j'ai été un peu pris à être à la fois, je veux dire, brillante et conclusive, drôle aussi. Si possible. Carrément. Bon, j'étais un peu pris au dépourvu, j'avoue. À vrai dire, j'avais même deux questions à poser. Donc je vais profiter d'avoir la conclusion. Et il faudra commencer par en sélectionner. Non, mais je plaisante. Allez-y. D'accord, bon, je vais essayer de faire mon possible. C'est une double question. Je voulais juste, du coup, vous emmener peut-être sur un autre degré de réflexion qui serait peut-être plus celui de la sociologie, puisque finalement vous avez un peu décortiqué la mécanique du complot, la pensée complotiste, etc. Mais peut-être que votre pensée faillissait un peu dans la démarche qui aurait consisté à réinscrire un peu le complot dans ce qu'il a de spécifique à l'époque, en fait. Qu'est-ce que le complot dit des sociétés dans lesquelles on vit, des types de démocratie dans lesquelles on vit, et dans l'histoire, et comment il s'inscrit en fait dans l'histoire de la pensée politique. Je vais peut-être préciser ma pensée. En cette matière-là, vous êtes peut-être limité à considérer que le complot était intrinsèquement lié et était même constitué par la technique d'Internet, en disant que vous l'avez peut-être pas dit, mais quand vous parlez de nivellement épistémologique, on comprend bien que le complot est, enfin,
intrinsèquement constitué en fait par le nivellement idéologique, épistémologique que permet en fait et qu'engendre Internet. Donc ce qui m'amenait en fait à penser, enfin à vous interroger sur, selon vous, qu'est-ce que le complot dit de profond, peut-être à un niveau plus structurel de nos sociétés. Est-ce qu'il n'est pas, est-ce que par exemple on pourrait poser cette hypothèse qu'il ne, il ne fleurit pas en fait sur le terreau justement de la faillite des idéologies, des grandes religions? Est-ce qu'il n'est pas par exemple, je ne sais pas, un discours des dominés, un discours des aliénés? Est-ce qu'il n'est pas un rejeton structurel par exemple des pensées fascistes européennes? Enfin voilà, est-ce que vous avez des hypothèses à poser dans ce domaine-là? Et bon. Vu que c'est un tiroir. La deuxième question, on n'a pas grand-chose à voir finalement. Qu'est-ce que vous avez à dire du complot lorsqu'il est un instrument du pouvoir et pas justement un discours des dominés? C'est-à-dire, on peut, vous avez parlé de Chavez à l'instant, on aurait pu aussi parler d'Erdogan aujourd'hui en Turquie, on peut parler de Bachar el-Assad complètement en Syrie, ou j'imagine de certaines dictatures africaines, même si c'est loin d'être mon domaine de prédilection. Voilà, bon, c'était juste ça, et merci pour ce débat. Ouais, c'est pas mal comme question. Ouais. Bon. En fait, alors, donc il va vous revenir la responsabilité de à la fois répondre et conclure. Voilà, donc reprenons dans l'ordre. Moi, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est vrai qu'Internet permet aujourd'hui un désenclavement des théories du complot, mais elles ne sont absolument pas réductibles à Internet. D'ailleurs, je disais, dès le XIIe siècle, on a finalement les aspects du mythe moderne tel qu'on connaît. Et de réduire le conspirationnisme à un discours des dominés, c'est pas vrai. Il y a énormément, justement, au contraire. Si par exemple, là, je prends le seul cas d'étude où on peut faire... qu'on peut vraiment prendre sérieux, c'est le cas des Afro-Américains. On se rend compte que finalement, le degré d'adhésion aux théories du complot est chez les individus qui ont un niveau de capital culturel qui est équivalent plus ou moins au bac, voire bac plus 2. Pourquoi ? Parce que finalement, les dominés, les plus dominés, eux, ils n'ont pas encore cette capacité, faute de dotation en capital culturel, à comprendre les enjeux, les maîtrises et dispositions du champ politique et du champ politique tel qu'on le connaît, en particulier le champ conspirationniste. Il y a une sorte de défaut de perception, une perception qui est infime, et donc ils n'ont pas cette capacité à prendre collectivement en mesure les problèmes structurels de la communauté. Il faut donc quand même avoir une certaine vision politique, c'est un capital politique pour pouvoir investir les théories du complot, notamment lorsque c'est sous la forme d'ouvrages complexes qui sont extrêmement longs, qui fourmillent détails historiques, qui sont rédigés très souvent selon les techniques universitaires, c'est-à-dire des dizaines de notes de bas de page, des bibliographies extrêmement complexes. Donc c'est pas vraiment un phénomène des dominés, ou du moins réductible aux dominés. Ça c'était quelque chose de très périphérique dans ma question. Moi, je voulais plus interroger sur en quoi le complot est spécifique de l'époque, comment on peut le distinguer, est-ce qu'il faut le distinguer d'autres formes de pensée magique ou superficieuse qu'on parcourt l'histoire? Justement, j'arrive à ça. C'est-à-dire que le conspirationnisme, il n'est pas réductible à une idéologie, il se fond dans toutes les idéologies. Il y a des affinités électives avec les idéologies extrêmes, en particulier les idéologies d'extrême droite, mais il n'est pas réductible. Vous avez par exemple, regardez, prenons un exemple qui est absolument marginal, l'affaire Strauss-Kahn. Qui est-ce qui est promis à hurler au complot de l'affaire Strauss-Kahn? C'est pas des dangereux militants d'ultra-droite, c'est pas des gauchistes les plus fanatiques, ce sont des gens qui a priori sont très loin de ça. Ce sont des notables du PS qui, parce qu'ils ont été quelque part frappés par l'événement, il a fallu qu'ils rationalisent l'événement en termes de complot. Donc ça a pas le complot, il se permet de se mouvoir dans toutes les idéologies. Ensuite, il est vrai qu'il va être plus ancré chez certaines idéologies, notamment les idéologies d'extrême droite, parce que ça fait partie quasiment, c'est moche à dire comme ça, c'est pas très sociologique, mais de leur ADN politique. Ça fait partie de leur représentation collective du monde, eux contre nous. Dans l'idée de la persécution, de la construction d'ennemis imaginaires et fantasmés, qui permet aussi de se construire soi en tant que communauté, en tant que identité collective, avec ses propres normes, ses propres pratiques, ses propres représentations. Nous contre les autres, nous les victimes. Nous les victimes qui nous reconnaissons éventuellement par notre statut de persécuté par les tribunaux, par notre statut de persécuté par la grande presse, par notre statut de persécuté par le pouvoir, par la police, etc. Donc le complot, évidemment, il vient aussi jouer comme ça. Et peut-être, mais là, il faudrait peut-être aller plus loin. Est-ce que dans un contexte de dépassement des idéologies où finalement les grands partis politiques sont tous des catch-all parties et il ne se passe plus grand-chose, est-ce que ça ne permet pas de structurer des clivages politiques novateurs? Peut-être. Il faudrait, des grands récits de la faillite, des grands récits communs, ou même de ce que tu disais, Pierre, tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on soit dans un monde qui est effectivement complexe et que du coup, ça, c'est ce que disait... C'est ça. Si j'ai bien compris ce que tu dis. Oui, moi, j'ai une première chose. Je ne crois pas à l'existence de pensée magique ou de pensée complotiste ou autre. Il n'y a rien de spécifique sur le plan intellectuel à quelque chose qui relèverait. Les ethnologues ont cherché la pensée magique pendant des décennies. Ils ne l'ont pas trouvée. C'est pire que la soucoupe de Roswell. Chaque fois qu'on a trouvé l'endroit où elle se cache, elle s'évanouit. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous semblables. Donc il n'y a pas cette spécificité. À côté de ça, ce qui me semble se passer
à notre époque, c'est qu'on sort d'une parenthèse, je dirais, on sort d'une parenthèse dans laquelle on a cru que notamment la science, qui est le système qui nous permet de privilégier, qui permet de nous représenter le monde, allait nous apporter un certain nombre de certitudes et faire reculer ce qu'on appelait justement l'irrationnel, la pensée magique et tout. Or, c'est pas ce qu'on voit. On est aujourd'hui à une époque où la science a ouvert les vannes de l'incertitude, les débats sur le climat, sur le nucléaire, sur tout un tas d'autres sujets, sur les techniques, les lanceurs d'alerte et tout, montrent à quel point plus l'univers est scientifique, plus on rajoute de l'incertitude et plus justement il faut apprendre à construire le monde localement et affirmer ce que l'on... Donc, le fait qu'on ait en plus des outils nouveaux comme Internet fait qu'on est dans une époque tout à fait originale dans laquelle sont en train de se dessiner les repères du monde à venir. On est dans une espèce de période, comme la période qui a vécu l'invention de l'imprimerie, qui est une espèce de bouleversement intellectuel avec donc la réforme d'un côté, mais l'émergence de la pensée scientifique, de la révolution scientifique de l'autre, la révolution astronomique et tout. On est dans une de ces périodes et on ne peut pas encore prédire ce qui va en sortir. Mais c'est clair qu'on est dans une refonte assez générale de beaucoup de catégories qu'on avait à disposition pour penser et construire le monde. Et je pense que là, il y a un enjeu. Alors évidemment, il y a certains aspects qui peuvent paraître inquiétants, mais je pense que ça dessine surtout des choses extrêmement positives, extrêmement intéressantes pour l'avenir. Je propose qu'on arrête là, c'est tellement beau. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.